Ça rajoute un charme particulier. Après, c'est pas du tout sérieux en pleine scène. Bah, quand on s'y attend On pas, c'est respire un marrant. grand coup et on tâche de rester calme. Non, Charles, ça suffit. Cette histoire est bizarre depuis le Et attends, début, t'en as même mais là, ça devient flippant. Oh, détends-toi. Je suis sérieuse, je la sens vraiment pas, cette histoire. Ça me tue de l'admettre, mais Kate a raison. Quelqu'un a essayé d'agresser Erin. On sait pas ce qui s'est réellement passé. Pour mettre les sous-titres? Je sais ce que j'ai vu. Dans le Bah, noir. j'ai pas vu si je Tu pouvais les crois que mettre. j'invente des histoires? Tout le monde se calme, ok? Bah, dans les paramètres, Laissez-moi le je temps de fais juste un réfléchir. Bah, attends, j'attends que la cinématique s'y Ouais. mette. Eh ben, ça promet. Et c'est une sortie de scène pour notre patron au courage légendaire. C'était quoi? Achetez-toi. Oh, d'accord. C'est encore pire. C'est Charlie qui réfléchit. On dirait plutôt qu'il pique une crise. Ça peut se comprendre. Si on boucle pas cet épisode, on est foutu. Non, mais t'es sérieux? Quoi? Il l'a pas Tout fumé. ce que je Ça dis. fait des années que j'attends Encore. que tu prennes enfin une décision dans ta vie, n'importe laquelle, et là, ça, c'est ce moment que tu choisis pour t'affirmer? Oui, on sera jamais ensemble. Pardon, je suis peut-être folle, mais si Erin dit que quelqu'un était là, je la crois. On est en danger. Ce n'était qu'un mannequin. Je suis en train de mentir, c'est ça que tu T'as crois? peut-être mal interprété ce que tu voyais dans le noir. Je sais ce que j'ai vu. Bon, voilà le plan. On a déjà un plan. On se tire d'ici. Non, écoute. Surtout pas de conclusion hâtive. Je vais trouver du maître et tirer cette histoire au clair. Tout va bien se passer, ok? Il reste ici, on il reste ensemble au moins. Ah oui. Il nous a posé un lapin. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas le retrouver? Mon optimisme naturel. Tu devrais prendre exemple. Bravo, Charles. Tes délires à la con nous ont encore bien foutus dans la merde. Dumet a filé, je l'ai vu, tu te souviens? Il est peut-être rentré. Ou peut-être pas. Ça te tuerait de positiver juste un peu pour une fois? Quand on voit les idées qu'a Charlie d'habitude, celle-ci n'est pas la pire. Ce n'est pas la pire idée que j'ai eue ce soir. Y a vraiment pas de quoi être fier. Ton sens des priorités est merdique. Je laisse tomber. À plus. Je viens avec toi. Attends! Tu veux pas rester? On fait vite. Promis. Bouge pas, que je puisse te retrouver. Ok? Il peut raconter ce qu'il veut, c'est mort. Je ne continue pas comme ça. Kate! Je m'en vais, Marc. Tu me suis ou pas? Erin a vu quelqu'un. Ok, c'est vrai. Désolé, mais Charlie a dit... On risque notre peau. Ça me paraît plus grave que perdre un boulot. C'est vrai. Allez, Erin, tout va bien se passer. Bouge pas. Vous pouvez pas Bouge rester pas. Le temps que je remballe? Je veux pas perdre une minute. Je serai juste à côté. Dépêchons-nous. On revient Mais... tout de suite. C'est promis. Faites ça ensemble, sérieux. Maison 2. Non, non. Désolée, je flippe encore. Tu peux laisser ouvert pour m'entendre au cas où? Bien sûr. Ouais, je sais pas, même si ouvert fermé, je le sens pas. Hein. Bah ouais, ils sont cons de se séparer comme ça. Hein. Vaut mieux faire ma double tour, hein, je le dis. Hein. À toi. Bon, j'espère pas que c'est le vieux. Hein. Bah. Ok, Big Boss. On le cherche où, Dumet? Je cherche pas Dumet, mais des images valables. Si on tombe sur lui en chemin, parfait. Putain, y a rien d'autre qui t'intéresse. Bah, tu hein. peux chercher les sous-titres. Dis ça à Kate. Tu le sais. C'est vrai. Parce que vu que lui, bah, lui qui a peur de rien tout seul, il va y aller. Ouais. Sous-titres. Si bien que moi, si on s'installe et que la caméra tourne, elle ira se planter devant. Je suppose qu'il faut que je descende. Comme ça, si ça coupe en fin de phrase. Pour l'instant, c'est là d'être mieux. Hein. J'ai pas vu l'objectif qu'on devait faire en fait. Là. Je sais pas, il voulait. Bah putain, c'est le bordel. Bah ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Bon d'accord, on va enquêter sur ce qui s'est passé. Ça c'est la feuille qui était sur le comptoir ça. Ouais. Y'a rien qu'à changer de toute façon dessus, j'ai l'impression. Je me demande si le gardien sait où est passé du maître. J'ai pas du genre à retenir tout ça. Je pense pas. Hein. Petit briquet. Ah. Jamie, par ici. C'est elle qui s'appelle Jimmy. Ok. Bah. Je flippe carrément.
C'est du sang, c'est tout. Du sang, c'est tout ? Je vais zapper. Pas de conclusion hâtive. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a traîné quelque chose et que ça saignait. Et ça t'inquiète pas plus que ça. D'accord, c'est un peu louche. Louche ? Je dois dire quoi ? Écoute, c'est sans doute simplement Dumet ou le gardien qui a rapporté un animal mort de l'extérieur. Du gibier pour nous. Oh putain. Quel optimisme. Ah, faut jamais avoir peur. Hein. Bienvenue à tous, au spectacle de ce soir. Oh, c'est quoi ce délire ? Oh, pourquoi j'ai pas les lumières à chaque fois ? Dumet. Dumet ? Quoi ? T'as pas pris mon perso ? Je préfère le vieux, hein, mais bon, après. Hein. Ouais, bah, vu que l'autre, ça, c'est sûr. En plus, il y a de la lumière. Ouais, c'est le seul qui a pas vraiment peur pour le moment, il s'en fout. Alors, ouais, bon, on sait jamais où on met les pieds et tout, hein. Droite ou gauche ? Moi, j'aime bien la droite. Ah, parce que la gauche, c'est là où il y a la lumière, quoi. Mais après, à gauche, c'est la lumière, et là, il n'y a pas de lumière. Bah, la lumière, souvent la lumière c'est la sortie, hein, comme on dit. C'est peut-être aussi une preuve qu'il y a quelqu'un. Donc faut y aller. Bon, la sortie, ouais, une fenêtre. Après, ouais, on va voir au son. Hein. Il y en a qui écoutent sa radio dans son lit, là, ou dans son canapé. Attends, on rentre pas dans la pièce, parce que si c'est ici, il t'enferme encore. Hein. C'est quoi ? Il a rien de souffler dedans ou quoi? Il y a encore du bruit là, bizarre. D'ailleurs moi, on va y aller. Il y a pas l'air d'avoir de porte. Hein. Ah si, elle est là. Attends, il y a... par terre, il y a... C'est à droite le bruit. Bah c'est le truc musique, hein. C'est... inspecté. Ah. Charmant. Ah, fallait que tu suives le son, peut-être. Je crois bien. Je crois que c'est derrière la porte, les seuls. Je crois que c'est derrière la porte. Hein. C'est pas la musique ? Non, hein, je crois pas. Hein. Bah, c'est chelou, je sais pas d'où ça vient vraiment. Qui torture quelqu'un en même temps une musique, hein. Ah, mais du coup, la musique elle est là, mais le mec qui torture, il. Ah, la porte elle est là, d'accord. Il me torture là-bas. Bon, t'es prêt, Jamy ? Tu entends ? Ah ouais. Putain ! Ah mais c'est le mec Bah ouais, c'est chelou. Pitié ! Vous êtes... Je ferai n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce que ça va ? J'hallucine ! Stop ! Regarde ! Ah. Ah ! C'est moi qui contrôle le pic ? Tire dessus du coup. Qu'est-ce que c'est ? Merde, c'est un piège. Si t'arrêtes d'appuyer sur cette plaque, ce gars va se retrouver transpercé par ce truc. Oh, je m'en fous. On le connaît pas, hein. Fais ton choix. Aide. Pitié. Au secours. Et lui, pendant ce temps, il va essayer de te planter à travers le truc. Oh. Bah, regarde. Il donne le couteau ou... Il y a un trou, hein. Ouais, mais il a pas l'air de vouloir couper pour l'instant. Il y a pas le geste. Il y a pas le geste de couper en fait, là il monte le... Bah je sais pas. Comme tu veux. Je sens qu'il faut être gentil avec parce que... Mais bon. Ah tu recules carrément. Bah écoute... Donne-moi ta main. Allez. Bon. C'est peut-être un faux, hein. Peut-être un mannequin. Peut-être un, mais un mannequin, je sais pas si c'est du sang. On y va. Bah, du faux sang. Ah ouais. Bah oui, ça existe. Et comme pareil, il y a du faux sang dans son hôtel. Tu l'as vu ? Le masque. Tu peux prendre le sang d'animaux et faire genre, hein, je sais pas. C'est vrai, il y a pas d'animaux pour l'instant, mais... C'est un Amazon, non ? Ah, là-bas. Blague ! On est coincé. Et merde. Bah saute par la fenêtre. On est coincé ! Qu'est-ce qu'on fait ? On enfonce cette putain de porte ! Ok, à trois.
avec les barreaux, d'accord. 1, 2, 3. Elle va ouvrir la porte, mais pas les barreaux, je sais pas. Ah, mais c'est pas que c'est. Ouais, ouais. T'entends ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non. Et c'est moi. Tu vas être qui? Elle. En plus, elle n'est pas solo, je crois. Merde. T'as ton cristal sacré? Je sais, non. J'ai eu peur. Et te fous pas de moi. Désolé. Un méchant aussi. Je voudrais pas que tu te coupes. Ce caillou est coupant. Et super magique. C'est une pierre d'améthyste. Ça t'aide à te calmer en t'enveloppant d'une énergie protectrice. Du coup, tu peux t'utiliser en arme. Je me souviens. Mais oui. Si tu oublie sais, pas. Évite de dire des conneries. Peut-être que je trouve simplement que tu devrais assumer tes propres émotions au lieu de confier le travail à une pierre. Ah ouais. Ça m'aide à me sentir mieux. Un truc que toi, t'as jamais su faire. Ok, c'est peut-être nul de ma part de t'avoir dit ça. Je suis désolé. Ça va. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment de... Faut que je t'avoue quelque chose. Okay. Non, je veux pas de toi, c'est bon. Tout à l'heure, t'as parlé de ce job que j'ai laissé tomber. Je t'ai jamais dit la vérité. Hein? Comment ça? C'était pas un job, pas vraiment. Tu veux bien préciser? Tu sais, mon pote Murray, il voulait ouvrir un studio à Brooklyn, de photos. Et il cherchait un associé. C'est ton rêve? Ouais. Ça m'aurait pas rapporté une thune, alors j'ai cru que... Tu me dirais que c'était complètement débile. Et t'aurais raison. Oh. Pourquoi t'as pas accepté? Pourquoi tu m'as rien dit? Peu importe. Je le sentais pas, alors j'ai refusé. Et j'ai rien dit pour pas que tu critiques. Tu peux quand même te fier à ton instinct sans tout me coller sur le dos. Si tu le sentais pas... Tu le sentais pas? J'ai refusé parce que... It would have taken me away from you. Oh mon dieu, ça tue. C'est que j'ai voulu... J'avoue que j'y avais pas pensé. En parlant de bug. Mon dieu. Je... En fait... Oh Dieu. Que veux-tu que je te dise? Je m'accrochais en espérant que les choses changeraient. Au fond, j'ai encore de l'espoir. Oh, c'était l'heure de te plus. Du coup, je ne dis pas. Comme tu veux. Fallait me dire tout ça avant. Je sais. Oh putain. J'ai pas l'intention de revivre ça. Et si c'était différent cette fois? Oh, arrête. Il n'y a aucune chance, si tu le sais. Désolé. Je crois que je suis un peu perdu. Ah, putain. En plus, on était dedans et là, d'un coup, baf, change de langue. Allons retrouver Erin et partons d'ici. J'essaie de peu. Ils ont trouvé du maître, tu crois? Charles a vraiment envie de lui parler, alors peut-être, oui. Attends, attends le jeu, attends. Ouais, t'inquiète. Fais boire un coup. Oh, j'en peux pas le sou, non. Oh, je soufflais comme dans le livre qu'ils ont montré, soufflais. Oh mon dieu. J'en peux plus. En plus, on savait qu'il y aurait ce genre de bug en lisant les commentaires, mais. Ah, mais sorti comme ça. Ah, je pensais pas que ça allait à la fin d'une phrase. Ah, putain, ouais. Une phrase complète, j'aurais dit oui, mais à la fin, c'est. Genre il parlait, le dernier sous-titre, le dernier truc qu'il a dit, c'est mon flépote. Je sais même pas ce qu'il a dit au final. Ça nous aurait séparés, il a dit. Ah d'accord.
Il avait peur de le dire en français, du coup il l'a dit en anglais. Ah ouais, je comprends. Hein. Ah putain. Qui peut bien s'amuser à verrouiller ces portes? Du maître? Ou bien son... Ah, faut arrêter, faut arrêter, c'est... Sort que, heureusement hein. Que t'enregistres un putain. Ah bah arrête, on fait là. Ouh, c'est quoi cette photo? C'est quoi? Y'a vraiment un petit malin qui trouve ça drôle? Qu'est-ce que ça fout là? T'as apporté ça? Non. Il est bilingue le mec. C'est elle? Eh, j'ai mal au ventre quoi, c'est... Oui. Shelby. Ongle la sortie. Oh putain. On portait toujours le même vernis. Ah putain. C'est lui. Quoi? C'est lui. Au second plan. Tu le connais? Je le connaissais. C'était juste un des mecs qui traînait toujours dans le coin. Bah, c'est lui le pervers. On se croisait parfois en soirée, mais pas plus. C'est à cause de moi. Tu sais que c'est pas vrai. Le soir de sa mort, je devais la retrouver. Le pire qui... On devait aller acheter à boire ensemble pour une soirée. J'ai dormi. On nous disait bien au campus de surtout pas sortir seul. Shelby m'attendait, je suis pas venue et... C'est là qu'il l'a eu. Tout va bien. Putain, ça va pas bien. Rien ne va bien. Je vis avec ça tous les jours et là, il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un a voulu que je trouve ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Ça ne me plaît pas du tout. C'est pas vrai. Par ici, vite. Ah, c'est cool. Charlie. Ah, c'est pas si costaud le mur. Hein. Et Erin. Je tiendrai pas. C'est qui toute seule? Vous devez absolument trouver un moyen de sortir. Elle, hein. Tirez-vous de ce merdier! Vite! Jamie! Charlie! Merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais je crois que là. Oula! Des fois, je m'imagine, il parle en anglais. Ça, il y a pas un homme dans son cul. Ça ne bouge pas. Et maintenant, on est foutus. Fais gaffe, hein, faut pas que tu fumes mon vieux. Un autre passage. Ouais, des couloirs de maintenance, des conduites, c'est obligé. Dis merde, qu'est-ce qui s'est passé en anglais? Pas de secours, regarde. J'espère que ça va pas rouvrir en plein truc sérieux, parce que... Déjà, moi, je lis des sous-titres, et je vois le sous-titre en français, et il commence à le dire en anglais, quoi. Ah, moi, je regardais pas, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit? Moi je savais que le sous-titre était en français, il l'a dit en anglais quoi. Limite il y a un truc en français, il le lit en anglais. Enfin il le dit en anglais quoi. Ah putain. C'est quoi ce cirque? Moi j'adore les bugs parfois. D'où il sort ce type? Il était nerveux. Ça nous tue pas. J'ai pensé qu'il était juste un peu excentrique. Entre un excentrique et un meurtrier, il y a un sacré fossé. Après, s'ils mettent un bug là, ils changent de langage pendant un QTE important. Il faut réfléchir. On verra bien. Tu as vu Dumet quitter l'île? Il aurait découvert qu'il y avait un tueur ici et aurait décampé? Possible. Ou peut-être que l'homme qu'on a rencontré n'était pas Dumet. Et le type avec le masque? Oh putain. Ah, c'est bon, il n'y a plus de bug là, on revient. Ça demande une sacrée mise en place. Pour l'instant. C'était planifié depuis le début. C'était conçu pour qu'on tombe dessus. Ce qui renforce l'idée que le type du ferry n'était pas vraiment du maître. Eh ben, ça tourne en boucle en rond. Ouais, bah y a des murs qui se ferment et qui s'ouvrent donc. Genre, on est bloqué en rond là du coup. J'avoue, il respire fort. Hein. Oula, ouais, un truc qui a bougé. Ah ouais, t'as encore un mur qui a bougé. On dirait qu'il y a une... Ouais, je me disais, ouais, je me disais qu'il y avait un truc là. Je suis revenu sur la trappe avec le tableau là. Ah ouais. C'est toujours au même endroit en plus. Je sais pas que c'est le même truc à fouiller derrière là. C'est quoi? Même lui il marche pas dessus. Ah ouais putain, c'est fait exprès. L'IA est très intelligente. Parce que c'est... Sale foiré. Quoi? Pas mal, mur de briques. Continue.
Exactement comme Holmes. Non, je veux pas penser à ça. Là, t'as un mur en bas, il est déjà... C'est le mur de là où on vient avec la meuf, là. Quand t'étais avec le micro et tout. Ouais, il faisait tellement noir, je faisais même pas gaffe, en vrai. Ah là, je me souviens, ouais. Ah, là, sur le, ouais, et... là, sur les côtés, il y avait rien, et du coup... Oui, une petite lumière bleue. Ouais, bizarre. C'est bizarre, en effet. J'essaie de faire un plan dans ma tête. Mais je crois que la chambre d'Erin a été totalement isolée. Putain, Charlie! Pourquoi s'attaquer à elle? Parce que c'est pas difficile de lui faire peur. C'est la plus vulnérable. Tu débarques ou quoi? C'est comme ça que font les sociopathes. C'est là d'où tu viens, là. Bah ouais, mais justement, ici, le mur, il était mis, et là, ils l'ont enlevé, quoi. Bah écoute, vois la lumière, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est quoi ce délire? C'est une gamine. Oh, ouf! T'entends une voix de gamine aussi? J'ai bien cru que j'avais pété un plomb. D'où est-ce que ça vient? Une pièce. Ah putain. De la thune. Encore 5 par 5 encore. Là on était à 11, ils nous en ont donné que 2 là je crois. Ouais. C'est un peu aléatoire. Hein. Charlie, oui. Par ici. Essayons d'ouvrir. J'ai même pas de QTE. Ça va, c'est calme pour le moment. Allez, encore un jeu. Un jeu de la mort. C'est saut le truc. Là, ils peuvent avoir du sang avec les cochons, tu vois. Ah bah du coup maintenant ouais on le sait. Snake, à vous de jouer. Non, non, ça va aller. C'est des poupées russes. Ces poupées qui s'emboîtent là, les unes dans les autres. Tu dérailles là? J'ai pas besoin de ça. On est dans une cuisine, piégé dans un hôtel, coupé du monde sur une île. Même si on arrive à sortir de cette pièce... Comment on va sortir de l'hôtel? Je te le fais pas dire. J'ai une étiquette. Comment on quitte l'île? On doit se concentrer. Nathalie Morello. Bah, oh, Morello. Est-ce que tu... Humain. Oh, merde! Putain de chiotte! Ouais, elle est bien conservée. Oh, putain, c'est un cadavre! Tu crois? Elle était du dernier groupe à avoir visité l'hôtel. Tu n'en sais rien. Peut-être que... Merde. T'as sûrement raison. Charlie, j'ai peut-être trouvé une issue. Regarde. Ah putain, j'en peux plus à cause de l'autre. Elle sera sûrement moins difficile à forcer. Recule. Tac, tac, clair. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Non, encore une trappe. Oh non, je vais être tout seul. En plus, mon briquet, j'aurais pu, ça tombe. Franchement, j'aurais sauté avec lui, hein. Charlie? Bah ouais, tu devrais me rejoindre là en vrai, parce que... Ah, c'est fermé. Ouais. Marie pour nous, hein. Oh putain. Ah moi, je suis tout seul aussi avec le perso, non? Non, c'est... Oh, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Tu sais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Encore avec le truc. Oh non, 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 non. Ah, c'est un enregistrement. Faut piquer qu'une seule fois. Hein. Elle boude pas, le mec. Et vu qu'il écoute quoi, il a pas parlé, le mec. Il a récupéré? Non, c'est tout. Ouais, mais un mannequin, ça récupère pas, du coup, elle peut prouver. Mmh.
C'est juste ça qu'elle voulait. Bah peut-être. Oula. Mais du coup, elle a pas entendu. Vu que Marc et. Oh non. Charlie, ils voulaient pas y croire, mais bon. Moi qui ou moi, alors, parce que là. Bah là, ouais. Elle aurait crié si elle avait vu la porte se fermer tout seul. On voit pas. Ah bah c'est bien, c'est fermé. Ohé ! Vous êtes là ? Hé ! Charlie ? Marc ? Non, pour que la lumière s'éteigne, c'est bon. Ouais, bah ça c'est encore mieux quoi, on sort par. Il fait ce qu'il veut le mec, il sécrète, il s'amuse avec eux quoi. Et il neige en plus. Ou c'est de la poussière? Non, c'est de la poussière. Ah ouais. Ça va. Sûrement. Arrête de faire ta drôle de poussière. Oublie pas ton inhalateur. Oh ouais, c'est vrai, je. Ça doit deux. Sinon, je vais voir des fantômes. Sacré poussière. Ah, surtout qu'il y a de la poussière, moi. Oh non, mais arrête, abuse pas, c'est bon. Hein. Ah, peut-être faut pas justice trop dès le début. Hein. Bah ouais, mais t'en restes plus qu'un de toute façon. Bah, le 1, ça sera vraiment. Bah... De toute façon, ça te le met pas comme ça donc. Attends, je peux m'en passer pendant un moment. Oh putain, le son d'un coup là. Ouais, c'est comme s'il allait y avoir un truc, mais non. L'huile de serpent. Snake. Ah ouais. Bien, j'aurais dû lire, tant pis. C'est écrit Snake en plus. Un traitement de serpent, d'huile, je sais pas quoi. Hein. Il y a plus de poussière dans la pièce. La salle de bain? Non. Putain, mais ils ont l'air d'être en forme. C'est des mannequins, je crois. On dirait presque des zombies maintenant là. Peut-être non, c'est... ça se trouve, c'est vraiment des mecs et. Ouais, je pense que c'est des cadavres qui ont été. Comment on dit ça? Robotisés. Ouais, voilà. Je sens zéro, hein. Empaillé quoi, limite. Alors, pourquoi je sens que je vais me retourner, je vais voir un truc bouger. Eh ben. Lâche-moi, Jimmy. Hein? Attends, tu peux relire? Mais pourquoi le téléphone il est là? Attends, c'est qui et qui? C'est carrément ton type, t'es trop prévisible. Et timide, t'as pas idée. C'est... Genre, c'est ton chef, il dit. Ah non, c'est pas Laurel, c'est qui? C'est quelqu'un qui est plus là, non? Laurel, je sais pas, mais Jimmy. C'est... Ah non, c'est Jimmy, je suis con. Ouais. Laurel, ça tombe, elle est morte depuis longtemps. Ah, mais ça a été envoyé quand, ça? On peut même pas voir. Non, elle a 20% de batterie, en plus. Laurel, la seule meuf qui peut s'appeler Laurel, bah non, c'est quelqu'un d'extérieur, en tous les cas. Il y a vraiment pas de Laurel. Oh putain. Ça c'est le fun quand tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Bah c'est pour toi. D'accord. Monsieur Dumet. Il y a même pas de truc en plus. Bon sang. Ce week-end. Charlie. Bof. Et voilà. C'est Charlie qui parle. Ah, j'ai pas fait gaffe, hein, je. C'est Charlie qui nous a amené ici, quoi. Elle dit bon sang Charlie comme si c'était Charlie qui parlait. Spécial. Ouais. Le bureau de Monsieur Holmes. Une cartouche entière aujourd'hui. Vous essayez de vous attirer mes bonnes grâces? C'est chouette. Je crois que je vais les mettre de côté. Quoi? Pas de question? Qu'est-ce qui vous arrive, Monday? Vous avez l'air différent. Oh! Je la vois. Cette lueur dans vos yeux, petit cachotier. Je sais garder un secret. On a tous des secrets.
Le procureur essaie de me faire dire un chiffre. Vous le saviez? Bien sûr que oui. Les chiffres. Pour Holmes, c'était 27. Mais on sait que la réalité était plus proche de 200, n'est-ce pas? Vous imaginez ça? J'aimerais tellement avoir eu le temps de battre le record. Pour les demoiselles de l'agence immobilière, ils savent, bien sûr. Elles avaient des familles, ces jeunes filles. Mais concernant les chiffres que le procureur me demande, je pense qu'il a conscience qu'il existe certaines personnes marginales, du genre de celles qu'on évite de regarder quand on les croise dans la rue. Y a-t-il quelqu'un pour le remarquer lorsqu'elles disparaissent? Mon père m'avait toujours dit de laisser mon empreinte sur le monde. J'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là. Jusqu'à ce que je regarde la première fille saigner. J'appelle ça de l'art. C'est ce que j'apporte à mes semblables. Ce n'est pas un meurtre. C'est une réponse esthétique à ce que la société a fait de moi. Demandez aux gens de citer des tueurs en série. Ils donneront 5 à 10 noms avant d'être à court d'idées. Mais si vous leur demandez de citer les enquêteurs qui ont arrêté ces tueurs, vous n'obtiendrez pas la moindre réponse. C'est vrai, ça. Personne ne sait. Tout le monde s'en fiche. Personne ne réalise de films sur eux. Personne ne met leur visage sur des t-shirts. Ça n'intéresse personne. J'ai laissé mon empreinte sur le monde. Et vous? Pas du tout. Mais nous, on file dans un motel, hein, écoute. C'est déjà ça. Hein. Ça, je l'ai déjà pris là-bas, je crois, je sais plus. Non. Ouais, non. Thompson. École primaire. Miss Monday. Alors je comprends pas. Pourquoi? Bah Monday c'était celle qui parlait avec le type dans le magnétophone là. Ah ouais. Il a dit petit cachotier, bah alors c'est petit cachotier si c'est Miss. Bah, petit cachotier, je sais pas. Bah c'est un mec hein, apparemment. Ah ouais. Miss Monday. C'est écrit sur le truc, donc je sais pas. C'est une porte, ouais. Ouais, mais... On est d'accord que je peux pas. Hein. Il faut que j'aille. Faut revenir, peut-être. Peut-être que ça a bougé de l'autre côté. Oh. Ils ont bougé, non? Erin, t'es là? Jamie! Bah, on dirait pas. J'ai bien l'impression que si. Jamie? Ah bah non, moi je sais pas. Ah là ils vont bouger du coup là. Erin, ah ils devraient bouger là-bas. C'est toi? Oui. Tu m'entends? Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est dans le... Écoute-moi bien et fais tout ce que je te dis. Le micro il est dans sa bouche quoi. Ah je sais pas l'accuser. Accusation ou confusion? Non. Non, faut pas. Jamie, c'est quoi ce délire? Où est-ce que t'es? Juste... Écoute-moi. Écoute, cache-toi à l'intérieur du placard qui est là. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Vite, cache-toi, Erin. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Erin, vite. Mais cache-toi. Fais-moi confiance. Oh non, 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 je vais pas le faire. Hein. Pourquoi? Je me sens mal. Ah non, ça va, faut que je fasse ça. Je vais pas marcher moi-même. Placard piégé. Tu crois? Non, je crois pas. Bah, comment alors? Et comment ils auraient pu avoir la voix de la meuf? Bah, c'est pour, enfin, ça, que Jamie, c'est pour ça que je comprends pas, ouais. Bah, après, qu'est-ce que ça fout? Comment elle a fait pour savoir qu'il y avait un micro et tout, tu vois? Oh, écoute. C'est pour tout ça aussi. On a pas l'histoire du côté de. Là, c'est l'inconnu, on sait pas ce qui se passe.
Les gars, faut QTE avec battement de cœur. Bah si en op, ce point ça on n'a pas eu. Ouais. Ouais, c'est QTE n'est pas bugué, bien sûr. Oh, c'est bizarre comment il a regardé. Bah... Il a l'impression qu'il savait. Hein. En plus, il reste là. Mais il fait bah, peut-être qu'il veut te tuer en faisant de l'asthme. Hein. Enfin, quand tu fais de l'asthme. Mmh. Du coup, il essaie de te faire peur. Je crois que c'est un fou. Charlie ? Jamie ? Ah, vaut mieux ça que d'être agressif pour l'instant. En lieu sûr, j'espère. En train de se demander où on est. Kate, regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? On est coincé? J'en ai bien l'impression. Attends. Chut. Quoi? Chut. Tu entends? Tu crois que c'est eux? D'où est-ce que ça vient? Bah, c'est bizarre ça. Il y a quelqu'un dans le restaurant. Un enregistrement. On fait quoi, Charlie? Ah, peur ça. La même voix. Je sais que je suis votre tête de turc. Ah, d'accord. En tant que patriarche de notre petite famille. Est-ce qu'il faut les écouter du coup? À Marc et à Jim. À vous deux qui travaillez comme. Ils ont enregistré tout ce qu'on a dit. Ouais. Et à Kate, malgré nos différends, tu es la star de l'émission. Tu sais capter l'auditoire. C'est quoi ce bordel? Marc, qu'est-ce que tu fais? T'approches pas de ce truc. Ils ont pas d'armes, mais après je sais pas. Relax. C'est des mannequins habillés comme nous. Bizarre? Oui. Assez pour flipper? Non. Oh le bonhomme. Tant qu'ils sortent pas un couteau avec leurs mains. Ah, du coup c'est bizarre, ils m'ont dit de me cacher, mais c'est chelou. Bah on verra. J'ai une idée. Ouais. Bah t'as quand t'es fumé toi-même. en plus il y a un petit bruit hein. Ouais mais c'est quand tu fais des photos ça non. De toute manière... Ah c'est bon. je vais péter un câble ça. C'est bon, ah non. Un peu quand même. Waouh, mon vite. Oh, ça sert à rien finalement. Oh, si ça peut faire le film, écoute. C'est trouble. Et la musique est très bizarre. Hein. Attends, moi j'ai des cheveux. Oui, t'as des cheveux. Et lui, il est chauve. Oui, il est chauve. Je retiens. D'accord. Même là-bas, les noirs ils sont chauves quoi, limite. C'est vrai. Et là-bas en plus, ça... Si. Si, ça le faisait quand je faisais vers le torse. Il y a un truc vert en plus. Ouais, c'était pour cadrer, non? Donc tu l'as fait sur le mec. Ça fait rien fait. Attends. Je trouve que ça le fait seulement quand il y a une personne. Ou quelque chose. Ouais, mais. Oh, déjà, tu vois, c'est bugué. Ça tombe, ça sert strictement rien. Tu entends? Ouais. Il fallait pas tarder. Et il se rapproche. Pourquoi t'as les bras. t'as les bras comme ça? C'est encore un bug. J'espère que ça va pas bugger là. Ah, fais gaffe que tu veux quand même. T'inquiète. Hein? Je viens de te chou que tes bras là. T'as quand tu parles à penser ou quoi? Ah, fais gaffe là. Oh, merde. Jamie. Ça va, c'était pas. C'est quoi ce cirque? Désolé, j'ai cru que. C'est quoi ces trucs?
On dirait les persos dans, dans Garry's Mod là. Oh mon dieu. Ouais ouais c'est ça, c'est la position T là. Ouais. Tu poses. Que tu sois là. Dumet a tué le gardien. Ah oh, ça va pas tuer. Sous nos yeux. Dumet ? C'est un traquenard. Il portait un masque et je sais que ça a l'air dingue, mais c'est pas une blague et maintenant il en a après Erin. On doit partir. Hé, hey, minute. Il est où Charlie ? J'en sais rien. Et je crois que c'était parce que j'étais avec l'appareil photo, ça a bugué le truc. Mais c'est pas possible. Vous savez, comme ça quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, mais dites-moi que je rêve. C'est les accusations. Corps, tué. Putain, fais le taire. Tué. Tué. Bon, ça c'est une bonne idée, hein. Ah ouais. C'était quoi? Oula! C'était vrai, par contre, on dit rien. C'est un faux. Un accessoire. Ou un œil d'animal, forcément. Non, 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 je rêve. Ouais, tiens, ah, bateau, chien. Oh! Oh! C'est un vrai! Putain, je vous l'ai dit! C'est du délire. On peut toucher, ça se voit. Foutons le camp d'ici. Ah ouais, j'ai pas le toucher avec ma position. Je fais l'avion. On dirait un enfant. Oh, c'est fermé. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette porte aussi est fermée. Si je dois te battre, laisse tomber. Oh, ça me l'a. Du mec. T'as envie de jouer? Sors de là. Ah, j'ai envie de copier! On va s'amuser! Ah, il a arrêté, c'est bon, je crois, je sais pas. Ah, c'est peut-être à travers la caméra! Ah, t'as mis de bien rigoler, lui, à son écran. Oh, c'est handicapé! Il est derrière son écran, oh, c'est handicapé, il fait quoi? Ça, t'aurais pu faire un Naruto run en courant là. Ah, bah, ouais. Ah, non, le passage que je voulais pas faire, oh là là. T'es prêt pour un avion, ce con? Ouais, il est vraiment con. Moi je le fais à terre parce que je suis blessé, mais. Ah, mais normal. Ah, mais je suis bien content. Je pense pas que ça soit le dernier bug, hein. Mais j'adore. Un petit VO pour finir. Ah, les gens qui se plaignent des bugs, franchement, c'est. Peut-être qu'ils ont des QTE qu'ils ont pas pu faire, hein. Ah peut-être, mais bon, quand c'est des bugs comme ça, s'il te plaît. Et mon briquet, là, j'avais un briquet. Moi, et... j'adore. Jimmy ! Ouais ! Ah, c'est barré, hein. Ah, ouais. Je vais bien ! Je sais pas ce qu'elle a foutu dans le truc à viande, je sais pas comment elle fait pour sortir. Ah bah. Ah, voilà, les clés. Merci. Mais... Ah, un piège. Sans que t'es obligé de la prendre. Hein. La clé de lockage, super. Merci bien. Avec une bonne musique là. Bah c'est chelou, ça peut pas. À quoi que. De toute façon, je ne peux que sortir, hein. Je vais pas rester là pour le faire. Non, mais je veux dire, si toi t'es. Si Charlie c'est un. Comment dire, un. Un associé du tueur. Ah, quand il m'avait dit de me cacher là. Non, non, ouais, pas mais ça, quand t'avais ouais. Écouté magnétophone là, je sais pas quoi. Ouais, parce que je parle, ouais. Peut-être que c'est normal du coup que t'as les clés, enfin ça se trouve, il t'aurait pas donné les clés si t'étais. Quoi ? Ah, avec une petite blague, une petite farce avec le feu là, mais sinon. Il t'a donné les clés, tu peux sortir, ouais, c'est facile. Attends, je peux bouger, mais je peux pas prendre. Après, il réagit comme si c'était quelqu'un qui. Ah ouais, non, c'est vrai, je me sens plus de touche. C'est vrai, je t'ai arraché, tout va bien. Oh, au pire, non, je crois pas que ça soit. Je crois pas que ça soit un complice, mais. Je sais pas, on était qu'il y a eu un coup de foudre. Non, mais dans le magnétophone, tu vois, t'avais des mots. Il disait mot par mot, du coup, c'était plus un montage, je pense. Situé dans la région abdominale inférieure, il veut monter les uns contre les autres. Ouais, c'est comme bizarre, ouais. Ouais, c'est bizarre. Ça m'a sauvé, donc c'est pas vraiment. Je sais pas. Ah, je parle du magnétophone, pas du micro avec. Cette fois, l'oreille gauche a été sectionnée. Une incision propre,
probablement effectué à l'aide d'un scalpel ou d'un rasoir. C'est très net. C'est du bon travail. Super. Bon travail. Ça a très peu saigné. Le décès a précédé la mutilation d'environ 30 ou 40 minutes. Par rapport au MO précédent, c'est très différent. Souviens-toi, notre anonyme était encore en vie quand on lui a arraché les dents. Ce qui a dû être aussi bruyant que salissant. Ce type est en phase d'apprentissage. Ah ouais, mais elle... C'est vrai, on fait tout ça en apprentissage. Elle adore son métier, non? Ah oui, largement. Elle a des expériences, il faut. Elle sait qu'il est en phase d'apprentissage et tout, quoi. Ah ouais... Est-ce que c'est ça? Un livre. D'accord. C'est genre un livre... Non, j'ai pas vraiment lu, j'ai pas... C'est tant pis. On pourrait en prendre des notes des événements ou je sais pas quoi. Je sais pas qu'il y avoir les notes de nous quand on est arrivé. Peut-être. Pour l'instant c'est 2017. Non, ça s'arrête à 2017. Laura finit à ça le système. Quoi? Il y a un truc là, il y a une brique en moins. C'est quoi ce truc? Ah ouais, c'est bizarre, ouais, en effet. Bah ouais. Hein, quoi? T'es derrière moi là ou non? C'est bon. Ah, je sais pas, mais il y a une brique en moins. Ça se trouve, il est en face de toi. Bah ouais, c'est moi, j'ai fait coucou. Il t'a regardé pendant que tu lisais. Ah, sûr qu'il y a la pièce d'à côté, hein. Ah bah ouais, t'es encore enfermé au final. Ouais, en fait, c'est un troll. Oula. Est-ce que c'est un piège? On va être off. T'as les caméras. D'accord. T'as ouvert la porte pour le mec qui veut venir te tuer. Bravo, vous avez aussi. Non, vous échappez. Ouais. C'est bizarre qu'il y ait une caméra et tout comme ça. Je suis encore fermé. Ouais. Bah, what the fuck. La pièce de droite, elle me donne pas envie. Hein. Bah, à la gauche, il y a un truc sur la porte. Hein. Ouais, putain, what the fuck. Un bonhomme, un petit mannequin. Ah, il y a une petite... Le récit était tombé dans le piège. Si je sors d'ici, j'enverrai quelqu'un te chercher. Donc je suppose qu'il faut pas aller là, peut-être. Je sais pas, t'as juste le truc là de power. Bah ça dépend si ça va ouvrir les deux portes ou non. S'il faut changer une porte, ça va être compliqué. Non, ça va. Une seule porte. Et là, le truc de la brique. En moins, du coup, t'es derrière. Oui, il était là, mais... Oh putain, oui, il était là, quoi, au final. Il y a un petit truc pour ouvrir et tout. Ouais. Ah, oh, d'accord. Ah, d'accord. Ah, sympa, hein. Ah, soit il était là, soit c'est juste un système pour regarder les anciens prisonniers. Peut-être qu'il était pas là, mais... Ouais, au final, après, on a entendu des bruits de pas, mais... Ouais, on a entendu des bruits de pas, quand même. Putain, la toile elle est grande, hein. Je te dis, il a pris ma chambre, elle fait 10 km là. J'ai restaurant, j'ai toilette, j'ai tout. Hein. Par contre là... Après c'est pas 5 étoiles. Hein. Ah c'est 5 étoiles version décombre. Ouais. Une demi-étoile c'est bon. Ah bah écoute là... C'est vintage. Hein. Il y a du sang. Bah écoute... Les trucs gros trucs en métal là. Enfin, il y en avait dans le précédent là. Non, là il n'y avait pas de trucs lumineux. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il y a pas de trucs lumineux peut-être. Peut-être pour... Ah, carte, ouais. C'est vrai, j'ai ma carte. J'oublie toujours ma carte de secours. Je trouve le loquet. Merde, j'ai oublié de pousser. Ah bah, de la thune. Merci pour la moula. Combien ça veut donner? C'est pas beaucoup, hein, c'était bien caché. Hein. Ah bah non. Un, deux. Comme celui que j'avais trouvé l'an dernier. C'est moins en moins généreux, j'ai l'impression.
Bon, alors je suppose qu'il va ouvrir la porte avec le bonhomme. Ouais. Ça va peut-être tuer le bonhomme. Bah ouais, il y avait trois flammes. Ça va détruire le bonhomme, ça se trouve. Ah. Hein? Ah, t'as brûlé quelqu'un. Bon. Ah, peut-être, ouais. Il y a peut-être quelqu'un dans un des fours, des trois fours, là, des gros fours. Ça fait peur que les reflets de les lunettes, là, j'ai les yeux rouges. Oh putain, c'est bon, j'ai même plus envie d'envasser. Hein. Ton briquet ? Bah, je l'ai plus, je l'ai paumé, il voulait pas le ramasser, il était pas à côté de moi. Il était pas à côté de toi en plus ? Bah non. Bon. Bon, c'est juste la poupée qui a brûlé et qui a crié. Non, t'as des gros fours à côté de toi. Ouais, bah ouais, bah. Là où tu passes, t'as trois gros fours. Je sais, mais il vaut mieux se dire que c'est une poupée que quelqu'un, mais. Je crois que c'est plus les fours. Je vais pas rentrer dans le four pour vérifier. Ouais, bah. C'est juste que pour moi, c'est ça, quoi. Bah, y'a que ça, ouais, mais. Oh là là, j'ai pas envie d'y aller. Y'a le bonhomme qui est à terre, c'est ça? Ouais. Oh, là où je voulais pas aller, quoi. Le bonhomme. Bah, là, c'est le bonhomme qui est cramé, hein. Ah ouais. Ouais, mais du coup, t'as brûlé quand même quelqu'un. Pas que le bonhomme. Ah, le bonhomme représentait une vraie personne, alors. Ouais. Personne piégée, tu l'as incinéré. Ah ouais. En fait, le tueur, il te force à faire des choix si tu tues une personne ou pas, quoi. J'ai l'impression que le tueur veut briser mentalement les gens ou les buter. Ouais. Par contre, là, j'ai pas trop envie. Bah, la porte, elle donne pas envie, hein. Parce que ça a l'air d'être encore une prison, là, mais avec une meilleure porte. Il va peut-être t'enfermer. Oh, des clopes. Oh, ah. Salut, mes belles. Bah, il va t'enfermer, c'est sûr. Ça, c'est un apport. C'est des vrais. Oh, j'espère qu'il n'y a pas mis un truc dedans. La meilleure cigarette de tous les temps. Il y a un peu pour qui c'est vrai. Oh merde, c'est pas. C'est vrai. La récompense pour avoir brûlé quelqu'un. Mais ouais, il faut quand même que tu cherches du feu. Ah. Bon, t'es bien au four hein, pour mais. On a fermé. Bah là, t'es peut-être dans une pièce qui brûle, hein, je sais pas. Ça va, il a passé bon. Il y a plus le. Ah, d'accord, il va être en bas. Il était en chemise, non? Oui, oh, il était en serveur, quoi. Il était en. Poster, je sais plus. Bah, il était en chemise en carreau, mon perso. Ah non, je suis de la. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord. Ah bah. Je crois du mannequin qui était au bar, qui est plus là. Ah, mais c'est peut-être là qu'il y a, que t'as brûlé le mec. Moi, je sais pas. Bah, je sais pas, y'a pas de cadavre, hein. Ah, bah non. Ouais, il. Ouais, presque, hein. Pourquoi c'est du béton, y'a pas l'air d'avoir d'ouverture. Ah, si, là. Ça ressemble plus à la porte de l'eau, là. Oula, voilà, ouais. maintenant on voit. Ouais. Hein. Ouais, bah, non, là. Faut pas que tu fumes en fait. Pourquoi j'ai pas le briquet? Bah, après, s'il t'en donne un. Hein. Mais le gaz là, il peut tuer, je crois. Hein. Ouais, aussi, il peut tuer, ouais. Il peut étouffer. Mais après, la porte elle est ouverte, hein, y'a un trou. Ah, oui, c'est vrai. Mais sa tête au trou, c'est bon. Ah, bah. Non, même pas sa tête au trou. Ah, hein. Il va fermer. Non? Bah, je crois qu'il y a un trou. Ah, si, on peut fermer. Comment tu veux que je sorte là? Et ma réplique? C'est ça avec le briquet. Fume une dernière clope. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Non. Comment arrêter de fumer? Ah non, mais lui il peut allumer. Ah oh, ouais. Oh, c'est le plein. Hein. On a perdu un perso du coup. Ouais. Je sais pas trop comment sauver quoi au final. Ah. Pour l'instant, il brûle pas. Lever la grille. Ouais, lever la grille. La porte, je parie qu'elle est bien. Le mec va s'en sortir avec tout ça, moi. Bon. Il va être cramé plus longtemps.
Bien arrivé, les gars, vas-y. Faut continuer à les élever. C'est juste pour se cacher des flammes à un moment. Putain. Bah ouais, ça peut. Si tu peux te cacher des flammes. Bah si on peut le voir, j'ai l'impression qu'il est vraiment. Des galères. Hein. Des lourds, hein. Et si on sauve, c'est incroyable. Moi j'en ai ouvert la grille hein, parce que la porte. La porte, il vient le mec est passé juste avant, donc il a fermé à la fin. Ouais. S'il peut au moins se mettre à couvert, c'est juste ça quoi. Mais il doit faire quand même chaud hein. Ah ouais. Ouais, mais il peut peut-être s'en sortir avec quelques brûlures, tu vois. Ouais, on verra bien hein. On se voit hein. Ah, pour forcer la porte, moi je sais pas comment tu ferais hein, après. Mmh. Mais... Je pense qu'il est mort hein. Le mannequin. Les choses commencent à chauffer pour nos amis. C'est peut-être déjà cuit pour Charlie. Peut-être. Ah, c'est bizarre, ouais. Il peut s'avérer parfois difficile de travailler avec quelqu'un qu'on a aimé. Mais je crois que Kate et Mark trouveront une solution et apprendront de nouvelles choses l'un sur l'autre. Que pensez-vous des superbes animatroniques de Monsieur Dumet ? Je les trouve ingénieuses. Certaines sont extrêmement réalistes. Je me demande d'où proviennent les pièces. Ouais, ça dépend. Il serait équitable, à ce stade, de vous offrir un petit indice pour équilibrer la donne. Qu'en dites-vous ? Ah. Je sais pas. Ah, pour le fun, ça ne veut rien. Ouais. Cherchons l'inspiration dans les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Il semble que notre ami Herman Mudgett vouait une telle admiration à Sherlock Holmes qu'il lui reconnaît son nom. Voyons. Il a un cerveau merveilleusement organisé. Il reste immobile comme l'araignée au centre de sa toile. Mais cette toile a 1000 ramifications. Et il perçoit les vibrations de chacun de ses fils. Cela vous aidera, j'espère. Bah, on savait, on savait déjà à peu près. Ouais, on savait déjà quoi. On savait déjà que le mec il est. Tu peux littéralement. À fond dans son délire de piège, voilà. Il voit tout et tout quoi. Vous devriez y retourner. Bonne chance. Peut-être que pour la grille, il savait aussi, hein, je sais pas. Bah écoute, ouais. Moi, je dis qu'il peut survivre en tout cas. Mais en quel état aussi? Ouais, bah. C'est comme la meuf du jeu d'avant. J'aurais pu le sauver. Elle était infectée au final. Là, c'est de la brûlure quand même. C'est quoi le délire? Tu entends? Ouais. Ça vient d'en bas. Si ça se trouve, c'est Erin. Impossible. C'est encore un piège. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Alors, on va bien voir. C'est vrai qu'on avait oublié Erin, limite, là. Ouais. Mais il se barre. Vous êtes sûr de vous? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres options. Ah, moi, je préfère être sûr qu'il n'y en a pas d'autre. Eh ben... C'est très clair. Le mec, il va dans le noir comme ça, sans lumière. Hein. Il est comme le vieux au départ. On est où, là? Le chiotte.
C'est vrai que c'est le lumière rouge. Ouais. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut que ce lumière rouge, il me fie. On dirait qu'il prend son téléphone, mais non, pas du tout. Non, c'est son truc qui flush là. Putain, on adore l'ambiance là. Pour l'instant, ça va, je suis pas tout seul. Ah oui, oui. Et tout peut arriver quand même. Mm. Les douches, hein, ça. Ça va naître là. Ça y est, de la lumière. Faut encore chercher. Bon, bah, on va faire un combat de ring. Ouais. Ah, c'est le spa. Des mini casse-tête, hein. Je suis Laura de la Ah ouais. C'est quoi ça? Les portes du spa Columbus sont ouvertes. Nous traitons chacun de nos visiteurs comme de véritables œuvres d'art. C'est enfoiré. Ils nous observent. J'ai même pas envie de descendre. Ce sera obligé. Imagine, il est rempli, il est bloqué. D'accord. C'est un truc à prendre. Oh. J'ai juste son prénom en nom. Alors c'est touchant, ouais. Ouais, dans tous les cas, c'est que pour la carte. Bah, je peux pas prendre la carte pour ouvrir les tiroirs, hein. Non, elle est pas spécialisée. Ouais, elle est pas spécialisée dans le. Il doit y avoir quelque chose qui pourrait servir par ici. Bah, prends la carte, moi je le prendrai. Bon, pas besoin, écoute. Moi je suis un peu maniaque, hein, je la prendrai, mais bon. Elle y va au pied de biche, hein. Ouais, si elle en a un. Ah, mais il y a un trou, j'ai même pas vu au départ. Ouais, j'avais pas vu. Et oui, on peut pas y aller. Ah ouais? Bah, je sais pas. Ouais, hein. Bon. Spécial, hein. Bah, il faut remonter par le côté, du coup. Oh, le jump de malade. Oh. Ouais, la position. Ouais. Ouais, saute en premier, comme ça je suis sûr que ça va pas s'écrouler derrière moi. Ok, pour l'instant il y a de la lumière. Y'a quoi à part là, des mannequins? Ouais, des mannequins. Encore un mannequin à poil. C'est ici vraiment Son escalier est condamné. Bah, il passe par là. Ça sert à rien de s'éterniser. Attends, c'est fermé la porte là, peut-être. Hein. Ah putain, c'était derrière toi, de toute façon. C'est il y a des planches en bas, je sais pas ce que ouais voilà. Ah voilà. Bon, je m'attendais à un screamer mais non. Un truc dans le coin. Là. À droite. Voilà. Dans le coin. Oui. Heureusement qu'elle garde sa lumière hein, pour une fois. Ah ouais, les travaux, peinture 80 000 hein. Mmh. Ah. Par des pièges. Et quand te mater tant que tu. Ah ouais. De toute façon ça sert à rien. Et puis la meuf. Ah non elle est là. Regarde là au-dessus. Ah depuis tout à l'heure hein. Bah ouais. Ah bah monter, je pourrais monter. C'est là où il y avait le bruit je crois en haut de toute façon.
autre chose, c'est un truc qui sert à rien. Il va y avoir quelque chose qui pourrait servir par ici. Ah, prends un bout de bois et défends-toi avec, je sais pas. Non, les mecs, je me balade. J'aurais pas besoin, je suis en voiture, t'inquiète pas, ils t'enferment de toute manière. Ah ouais, mais ça peut servir même si ils t'enferment, tu vois. Ouh, petite musique. Les clients souhaitant des soins de couple sont invités à se rassembler à l'entrée du hall. Ah, venez pas surtout. Ouais, y'a rien là. Ils vont se taper quand tu vas ouvrir la porte. Avec la position du thé là. Ouais. Ah bah c'est l'autre porte, je crois. Regardez. Ah oui, c'est le là. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. De votre côté, cherchez une autre sortie. C'est quand même respiré. Je l'ai vu. Les clients souhaitant des soins de couple sont invités à se rassembler à l'entrée. Il est où l'autre? Bon, il est encore en bas. Hein. Bon, il attend. Et lui, il va se faire choper quand on va continuer, c'est sûr. T'as pas confiance en lui? Bah non, il reste en bas, ce con. Marc, va falloir que tu m'aides. Là, il est TP. Je crois qu'on peut défoncer cette porte. On interagit, c'est bon le TP. 3, 2, 1, go! Putain. Mon côté. Pourquoi moi tout seul? Kate? Qu'est-ce qui s'est passé? On te rejoint, reste ici. Dépêchez-vous! Oh, ça fait mal. Ça, tu vas me rejoindre avant que je sois solo, peut-être. Pas compris pourquoi on l'a entendu alors que... Oh putain, ça c'est le bon couloir ça. T'es pas confiant. Oh là là, t'as pris le pire. Hein? Ça pensait tu qu'à la con. Hein? Bah regarde devant. Électricien en chef. Je démissionne. Normal que tu démissionnes, franchement. Et où Marc? Oui, il va se TP. Bah, il est là, tu vois, il est dans la lumière. C'est flou ici. C'est un mannequin. Voilà, c'est là d'où il est. Ah, ça pouvait redescendre. En plus, il y a un corbeau. Ouais. Oh, c'était sûr, ouais, je m'en doutais. Le bien, c'est qu'il fait pas bruit, du coup, donc personne n'a rien remarqué. En vrai, tu prends la porte de droite, si elle est ouverte, tu tombes sur lui. Je suis en train de réfléchir. Regarde si la porte est ouverte. Oh oui. Bah, de toute façon, autant tenter, hein, de toute façon. Attends, je suis juste là-bas pour voir. Lui, il regarde des... je sais pas quoi. Là, on peut monter. Pour monter. Là, c'est un cul-de-sac. Un mec à poil. Ouais, un bruit bizarre. Pierre, regarde la montée, si tu peux la regarder déjà. Là-bas? Non, derrière toi. Non, mais justement, il y avait un chemin par là. Ah ouais? Ouais, ici. Je vais pas ouvrir une porte, mais tu veux voir un autre chemin à l'opposé? Je sais pas, il y a une pièce, je crois. Un truc qui brille. Non, bah non.
Je vais mettre. Voilà. Ah, regarde devant. Mettre devant. Ah, ça le prend. Non, ça tu le prends. Ouais. Oh, c'est des souvenirs à collecter pour. Je m'en fous, ça peut servir. Bah, tu l'as pas en item, hein. C'est un truc de collectable pour un trophée ou un truc comme ça. On voit même pas, on voit que dalle dedans. Oh d'accord. Oh mon dieu. Ah, c'est toi qui voulais que je vienne ici. Bah autant y aller s'il y a un truc à prendre. Une pièce. Bah je suis un parent de pièce. Une bonne musique. Ouais, bizarre. Oh, t'en as eu plein, oh, là, t'as bien fait, tu vois. Faut prendre ouais, des risques. Ouais, mais justement, ça veut dire, ouais, tiens, on te donne beaucoup de thunes, mais tu vas crever ici. Mais non. Ouais, je fais quoi si j'inspecte ça? Bah, c'est tout. La carte, encore. Tu as tous les employés. Il y a Franck. Franck. Ah oui. On l'a retrouvé dans un jeu vidéo, c'est bon. Ah. Il va tomber? Non. Ah, tu vois, en plus, t'es tranquille. Ah, mais on sait jamais. Moi, ce que je veux, c'est de lui déjouer son plan, ce fils de pute. Forcément, j'ai pas envie de prendre le chemin qu'il veut qu'on prenne. Bah, de toute façon, il est trop garde. Ah, je suis revenu. En plus, j'étais revenu là où il est. Hein. Non, ouais, ouais. Mais il est invisible, donc tu le verras jamais. T'éloigne pas. Compte sur moi. Je vais redescendre. Ah bah non. Je vais le niquer, ce bâtard. Tu le comprendras jamais. Sauf quand t'es piégé. Ah d'accord. Attendu. Oula. Sympa. Sympa pour elle, en effet. C'était quoi ce truc? C'est un mannequin. C'est barricadé. Ah, j'en ai marre, tu veux les chemins qu'il veut qu'on suit. Non, c'est ça que je dois voir. Au moins, je cherche pas pendant une heure. Moi, je vais t'appeler le streamer. Oh. Oula. Je sais pas c'est quoi, mais. Les travaux. C'est grand. Ah, descendre, d'accord. Bah, je pourrais pas te dire ce qu'il y a en bas. Faut encore chercher. Descends avec moi au lieu de parler. Putain, si je peux avoir en vrai. Ouais, hein. Ah, c'est un moteur, je suis pas fou. Donc là, c'est. Oula. Attends, je prends du recul. Donc sa lumière rouge. Il doit y avoir un moyen de sortir. Il sert à rien. Il fait plus peur qu'autre chose que sa lumière. Et il y a les fours là, non? Ouais, il y en a un. Ouais, tu veux quelqu'un? Let's go. Ah bah, il y a que là-bas. Ouais. Inspiration. Ouh. La thune. Je vais devenir riche. S'il m'en donne 20, c'est vraiment bizarre. Hein. Une. Ah le bâtard. Et au sol, il y avait un truc, je crois, là, quelque part, là, non? Je sais pas. Du tout. J'ai cru, vraiment, c'était sur devant la pièce, du coup. Bon, je sais pas où tu dois aller, en vrai, là. Ça sert à rien de s'éterniser. Ah ben. Et les épines dans ton même temps, ça joue le mal, hein. C'est quoi ça? Je vais pas y aller. Ah! C'est bon là, ouais. Ah bah, c'était pas loin. Rien peut-être, non? Un jump? Ah oui, un jump. Attention à la chute! Ah oui, attention. Portez un casque de sécurité.
Il doit y avoir une issue. Tu penses? Un jour. Un go descend. Dans le noir total. Sinon tu vas pas te faire choper dès que tu descends. Par derrière. Ouais, tant d'avant, bref, par ça seulement, hein, mais. Tant t'as pas de streamer. C'est un peu trop calme là, de toute façon. Oh, là, faut monter. Eh ouais, le cap avant la tempête, hein. Ah, peut-être qu'ils vont switcher à toi au bout d'un moment. Oh, ça va aller, hein. On trouve moi d'abord. Attends, tu vas sortir, là. Si je tombe pas. Il doit y avoir quelque chose qui pourrait servir par ici. Oh, la grande porte, c'est pas du tout bizarre. Non, il y aura un boss. Voilà, attends-le pas, ça va durer. Handicapé. Il aurait bien aimé voir ses mains là. Aide-moi à bouger ce truc. Sa position de, avec ses bras. Oh, c'est plus coûtant. Ouais, ça doit être bien lourd ça. Eh mais là il est plus en sweat blanc, il est avec sa chemise à carreaux là. Bah, sa veste à carreaux. C'est spécial, ouais, il se change entre deux. Hein. Bah ouais. Je me disais bien qu'il s'était changé. Ça je l'avais remarqué maintenant, mais... À un moment il était que en blanc. Et que lui qui aime bien changer tout le temps. Encore un bug ça. Ah ouais. Ah bah là où il était pendu le mec. Ouais. Il va dire coucou. Ouais, peut-être qu'il va passer par là, le tueur, je sais pas. Je vais même pas regarder en bas de toute façon. Non, ça va. Ah là du coup on est au-dessus et peut-être qu'on va retrouver l'autre, je sais pas. Je sais pas, c'est le bureau où il y a Erin, non? Bah avec la porte, non? Je sais pas, ouais, là, ça ressemble à... je peux pas dire. Enfin, on se dirige... bah je sais pas en fait. Je sais pas du tout, on voit là. On est un peu, ouais, trop voilà, à côté. Ouais. Ouais, je crois qu'on a jamais été, hein. Ouais, bah il viendra pas, tu bloques l'accès, là, t'auras... Je vais voir si je le vois ses pieds au moins, parce que... On est trop proche pour qu'il... Normalement, il y aura un TP, hein. C'est quoi ça? What? Une bombe? Ah, une bombe? Ah, il y a un minuteur. Non, 9 secondes. Le bouton rouge. On va le voir. Est-ce qu'il va dire quelque chose? Non, ils sont bons. Putain de merde. Ah si. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de message? Il essaie de nous faire peur. Ou de nous aider. Moi, il faut appuyer sur le bouton. Ah mais si c'est ce qu'il veut qu'on fasse après... Bah non, t'inquiète, il veut nous aider. Comme si ça allait péter. Il peut pas péter son motel. Ah, mais peut-être qu'en appuyant sur un bouton, ça active un autre truc qu'on voit pas. Sinon, ça va ouvrir la porte qui est derrière toi. Hein. Bah, est-ce que c'est déjà ouvert? Je sais pas. Voilà. Ah, ça va les tuer en fait. Ah oui d'accord, ah. Je croyais que c'était vraiment une explosion. Bon. Merde. Bon, ils nous mettent peut-être en scène pour un prochain piège. Hein. Enfin, c'est peut-être une mise en scène, je sais pas. Ouais, faire un champ entre deux personnes. Ouais. Je sais pas. Oh bah.
Je vais mettre un éclat du spa. C'était déjà horrible le tour que j'avais fait avec le mec qui était derrière, avec le pieu là. Le pieu ? Ouais, le pic géant qui sortait du... Alors c'est pareil, c'est une plaque aussi que j'ai eue, quoi, d'accord. Ryan. Ouais, bah t'es là, écoute. Hein. Je l'ai survécu, hein. Bah, je crois pas, ah bah, ouais. Ah, si je suis le mec là... expert en démolition. Est-ce qu'il a vraiment survécu ? Borderlands 2. Le mec avec son pieu du coup. Ouais, non, c'est le premier truc qu'on a fait, le choix que j'ai fait avec la plaque que j'ai laissé dessus. Ah ouais ouais. Ouais c'est pareil, j'ai vu une plaque en dessous du mec là. Tu peux appuyer sur ta touche droite. Ah oui oui. Peut-être que t'avais pas besoin de reculer. Je sais pas, hein, ouais. Bon. Ah, mais parce que s'il fait ça, c'est qu'il veut que tu recules, mais si tu reculerais pas. Bon, hein, je peux pas savoir. J'ai déjà pris un truc dans ses mains, hein, déjà. Hein. Ah, bah, je pense que quand tu te ramènes avec un. Bon. Bah, il est là-bas. Ah, c'est vrai, putain, c'est je me suis dit. Oh, oui, c'est bien, mais vous me laissez pas tout seul. Non, mais toujours rester ensemble. Ouais, parce que j'ai pas eu le passage des solos, heureusement. Bon, vous allez devoir faire le grand tour. Ah non, c'est bon. Marc, ici. Virons ce bureau. Oui. Marc ? Jamie ? Ici. Kate. Tout va bien. Tout va bien. Oh, génial. On a une clé. Fichons le camp d'ici. Parce qu'il y a la même clé pour partout ? Bah, master clé. Ah, d'accord. J'ai du coup, c'est, ça veut dire que c'est ah bah, tout. Ah, salut. Hein. Lui aussi, il a master clé. Peut-être en parlant de l'autre côté, il y avait juste une pièce pour avoir de la thune. Bon, pff, tant pis. Hein. On est riche. Par là. Oh putain, mais dans les sprints, hein. Ça a changé. Ouais, 0180 c'était. Non ? Ouais. Tu penses c'est le nombre de morts de meurtres qu'il fait ? Oh bah putain, c'est ça. Bah, je pense, hein. J'ai tué le mec avec le feu, là, avec ça, la poupée, là. Peut-être. Ah, le mec avec le... Ouais, ouais. Non, le four, t'avais dit, c'est ça, c'est ton... Ah, aussi, le mec... Oula, au calme, on le voit. Vous approchez pas. Ah, il attendait, il a juste fermé la lumière. Ah ouais. Bien, si j'aurais couru, je sais pas si ça aurait été pareil. Non. Pas forcément. Oula, non, c'est pas ça, hein. Il a l'air de faire froid ici. Hein. Oui, ça a l'air d'être fermé. Ouais, enfin, d'être, ouais, c'est ouais, sans issue, voilà, ouais. On est tout d'astronos. On va t'envoyer dans l'espace. Une crise d'asthme et meurt. Ah oui, c'est tombé, ils vont enlever l'air dans la pièce. Peut-être. On n'avait pas vu qu'elle mourait par rapport à ça, mais un coup de couteau. Ah non, une chaise ? Ouais. Ah ouais, les deux coups au final. Un coup de couteau, c'est peut-être quand t'étais enfermé dans la pièce. Ouais. Kate ? Non, moi ils sont deux. Non ? Ouais. Ah, faut choisir. Oh non, hein. Erin, ça va ? Dis-moi, ça va ? Faites-moi sortir d'ici ! Dépêchez-vous ! C'est encore un piège ! Ok, moyen de déjouer le piège, du coup. En gauche, hein. Bah attends. Faut faire le perso de gauche, hein, mais bon. La pression. Elle est plus utile. Ouais, l'air. Oui. J'arrive pas.
Ces fenêtres sont soudées à la paroi. Ce salopard veut absolument qu'on regarde. Attends, là. Un levier de commande. Pour quelle pièce aussi hein. Ah, d'accord, pour tourner. Pas à toutes les deux. Ce système aspire tout l'oxygène. C'est le vers qui on oriente ce levier. Et condamné à mourir. Quoi ? Il veut qu'on choisisse, c'est ça ? Oh putain ! Si tu laisses faire, j'ai pas tout ça donne. Hein, c'est... Si on reste à rien faire, les deux vont mourir, Marc. Ah, si tu veux. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Elle se fait sacrifier, elle. Hein. Elle ? Ah ouais, je l'en veux pas. Hein. Avec, sa mentoline, c'est avec sa mentoline, c'est chiant. Tu es Erin, tu es Kate. Du coup, je choisis mais... là-bas. Très bien. Non ! Pas qu'est-ce que tu décider où elles seraient mortes toutes les deux. Merci ! Merci ! Non, 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 Kate ! La fenêtre. Recule. Ça se voyait pas en plus la suite, hein. Non, bah non. Parce que c'était bien la référence avec la mentoline au départ. C'était elle que je voulais sauver en tout cas. Hein, donc, C'est bon, je te tiens. Vraiment, c'est pas moi qui choisissais parce que j'aurais okay. Vite plié. Hein. Ok. Hein ? Vraiment, c'était pas moi qui devais faire le choix. Hein, parce que... Ouais. Bah, toi, t'aurais choisi de tuer l'autre. Bah, oui. Hein. Kate. Ça va ? Oh ! Ça, c'était sûr. Elle va bien. Et moi, j'aurais choisi la haine par rapport à la ventoline et tout, donc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dumet joue avec nous. Et ça n'a rien d'une blague. Ça va ? Toi, fiche-moi la paix. Bon. Il faut qu'on soit plus malin que lui. Avant que l'un de nous finisse comme Charlie. Hein ? Charlie est mort ? Alors il a eu ce qu'il méritait. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as fallu rester dedans. J'étais perdu. J'ai trouvé un audio. Ah ouais, mais c'était un audio monté, c'est un montage. Non, vas-y, le débile, putain. Il a dit qu'il voulait qu'on meure. C'est pour ça qu'il nous a tous fait venir ici. Non. Que c'était mot par mot. J'ai pas halluciné. Ah, moi j'ai dit, elle est débile, elle sert à rien. Oublions les jeux, les pièges, toutes ces conneries. Repensez aux tueurs dont on a parlé. Ils ont toujours un problème. Puis tu es un complice, c'est pas normal. Je propose surtout qu'on réfléchisse. On peut toujours en débattre. Mais si on meurt ici, ça servira à rien. Je joue pas au détective, je veux juste survivre. C'est en jouant au détective qu'on survivra. Si on rentre dans son jeu, on perd. On doit être plus malin. Il essaie de nous buter un par un. Il faut qu'on reste groupés. Attends. Bravo. Il est peut-être en train de nous écouter. Bah, bien sûr. Hein. Depuis le début. Où est-ce qu'on va ? On retourne au bateau. Sauf qu'il est plus là. Il est relié à un câble. On peut peut-être le ramener. Peut-être ça suffira pas. Et le phare ? On peut peut-être envoyer un SOS. Y a bien des bateaux de flics qui patrouillent sur le lac, non ? Dans ce trou perdu ? Un phare, ça se repère à des kilomètres. Il a sûrement installé des pièges partout. Alors il va falloir être extrêmement prudent. C'est notre seule chance. Vous avez filmé ? Sans preuve, personne ne nous croira. Tu veux que je le filme en train d'essayer de nous tuer ? Et les corps. Pour les flics. Vous entendez ? Les murs se remettent à bouger. Arrête, cours et Kate, on te des autres. On doit rester groupés. Bah de deux, c'est merde. Pas ça. Kate, attends. Oh. C'est tellement vite la chute. Il est pique en plus en dessous en principe, non ? Ça dépend de la trappe, je suppose. Jenny. Et bah vous êtes dans la merde, vous. Hein. Attendez, non. Et voilà. Mon équipe était intelligente. C'est pour ça que je veux pas sauver Kate.
Bah écoute. Ouh, oh, ça fait mal ça hein. Bon, ça va. Ah, il s'est approché. On va pas écouter. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Et ouais, ça doit faire mal quand même. Mais ça c'est bien parce qu'il n'est pas tombé. Ah, non. Oh là là là. J'ai appuyé sur la touche. Pas du tout. Ah putain, je suis dégoûté. Ah, je le trouverai pas. Hein. Je sais pas, pour être sûr, moi j'aurais mis un truc dedans pour voir si c'était vraiment de l'acide ou quoi, mais... Ah putain, je suis dégoûté, mon appareil photo. Ça se trouve, c'est important. Je sais pas, écoute. Oh putain, ça me dégoûte. Ouais, faut continuer. J'aurais pris des photos, ça se trouve, on va même pas nous innocenter et tout. Hein. Ah ouais, bah ouais. Putain. Ça m'aurait mis dans cette cage en plus. Ouh, ça se rembourse cet appareil photo. Ouais. Combien? Oh, bah si, largement là. Combien? J'ai 10. 10 en plus? Ouais. Et t'es jusqu'à 36 alors? Et oui. Ah putain, et je vais le tuer. On sait toujours pas ce que ça fait les pièces, donc ça va nous aider. Je te jure, si mon perso il a le choix de tuer le tueur, je vais le tuer. C'est bon. Tu veux passer en prison à sa place? Je m'en fous, je suis résolu. De toute façon, je survivrai si je suis en prison donc. Oh, c'est sûr, hein. Il faut sortir d'abord. Je sais pas, je regarde un peu tous les chemins qu'il y a parce que. Bah là il y a un truc au-dessus là. À droite, à l'étagère. Non? Si. Tout ça. Utilise. Ah, peut-être un nouvel appareil photo? C'est une lumière, je sais pas. T'as pas de lampe torche encore? Ou un objectif? Ouais, un objectif. Ça sert à rien sans caméra. Oh, il est pas chaud hein. Il a pas le temps de réfléchir. Je suis d'accord. Non, c'est super caché ça, il m'était passé de... Et quand ça de loin, il peut penser au mec dans son bureau quoi. Ouais, avec son chapeau melon. Ouais. Je sais pas s'il y a plusieurs cachettes et qu'il y a des cachettes qui marchent et qui ne fonctionnent pas. J'ai envie d'aller le buter. On a utilisé tout ce qui va mourir. What the fuck? Ouais, il y a des places bizarres. Littéralement, il est haut. Hein. Ah, il y avait une porte. Ouais. Ouais, ça me quand même mettre. Je sais pas s'il est rentré dans le truc ou il est resté à côté. Il est rentré, je pense. Ouais. Parce que lui, il aime bien faire les trolls et rester devant la porte. Ah, il vient de finir son autopsie. Bon. On dirait qu'il revient. Ah ouais, c'est bien ça. Est-ce que j'ai juste là? Ah, ça va, il est en dessous. Heureusement qu'il est plutôt sombre. Et là, faudrait pas que ça bug, sinon ça serait un peu la merde. Ouais. La flemme de recommencer maintenant, quoi. Ah putain.
Putain, là c'est... Non mais je le bute, hein. S'il me trouve, je me bats. Je fais les QTE et tout. T'auras même pas le choix, je le pose. Là. Je le dis moi. Oh le bâtard. Encore plus. Ou tu auras des QTE encore plus violents. Oh ça va. Il est soufflé. Et on te voit bien pourtant là. Ah, il est noir, c'est pour ça. Ouais, d'accord, pourtant t'as du rouge, hein, mais. Je sais, il respire comme un. Ah bah voilà. Et là, il revient en deux secondes. Je peux trouver une caméra de rechange, j'aimerais bien. Je sais pas si tu peux. C'est pour les animés, c'est bon ça. What the fuck? Ah. 72, 93. Ouais. On va un coffre fort avec un appareil photo. Ah ok, d'accord, c'est le truc de... C'est leur matricule, quoi. Et ben... Ah, j'étais prêt. T'as dégagé la manette. Ouais, mais... Il y a un truc à fouiller en face. Oui, les numéros sont tous des capes. 68, 83. Je sais même pas si c'est important. Je sais même pas si c'est important. Là, je les retiens pas en vrai. Hein. Peut-être je vais pouvoir les commander. Tu crois? Bah, si je commande les commandes et qu'il faut que j'ai leur numéro tiré. Je pourrais peut-être me mettre à la place du tueur, tu vois. Ce serait marrant. Pour bien le faire peur. Je l'entends, il fait un truc, je crois, en plus. Ouais, je sais pas, il est loin, il ouvre des grilles, il est ferme. Ou derrière la porte. Ah bah. Oui, c'était bien derrière la porte, je crois. Bon. C'est même pas d'où il vient, en fait, c'est même pas s'il est là. Ah, si, c'est bien ça, ouais. Il aime le noir, en tout cas. Si je me lève pendant 2 secondes et je me recache, ouais, ça serait marrant ça. Je pense qu'il va... Il va venir ici. Donc, j'ai bien peur. On me dirait qu'il te troll, hein. Bon, bah là s'il se retourne... Après, je suis dans le noir. Oh, t'as juste une lumière à côté de toi. Ouais, mais. C'est une belle lumière rouge. Bah, c'est bon, je suppose, ça s'est allumé, tout est safe. On entend même plus ces bruits de pas. Oh mon gars, si je le plante avec ça, même si ça se plante pas, non. Je sais pas si je peux récupérer. Putain, il est con.
Les mettre au bout. Ah, je vais mettre un. Et voilà. Voilà, t'as une lance. Ça, c'est pour ma caméra, fils de pute. T'as la caméra, quoi. Ça coûte cher. Il y a le bouton. Ouais, mais j'ai pas envie. Mais putain. Oh. Sur le bouton. Ok. 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 Pourquoi il s'écrit ça alors qu'on entend rien? Ok, Marc, garde la tête froide. Il va rien se passer d'horrible. Bah non, parce qu'il est assis. Il va rien se passer d'horrible. Il bug un peu. Allez, j'ai pas envie d'appuyer. Oh putain. Putain de merde. Bon bah faut se barrer. Il t'a disjoncté je crois. Bon mec c'est tombé super loin. Hein. C'est pas... Oh bah... Il y avait un truc sur la télé non? Oh non... Oh putain. J'espère que c'est pas les codes de série hein. Non bah regarde la feuille sur le bureau parce que je pense... Ouais. J'ai pas envie de sortir les chiffres. Hein. Il y a une date je crois en plus. Bon, allez, essayez. Hector Monday, c'est un mec. Il a caché la photo. Hein. Il y a un code sur d'autres papiers. Hein. FBI. Ah ben. Les traque tous. Il y a du papier là. Ouf. Évaluation psychologique menée par le docteur Isabella Garcia. Nom du patient, Monday Hector. Observation comportementale. Hector est arrivé au rendez-vous avec 24 minutes de retard. Une fois installé et la séance commencée, il a montré des difficultés à soutenir mon regard. Peinant à exprimer ses émotions, il est resté laconique et sur la défensive durant tout l'entretien. Hector avait de longues journées de travail qui lui occasionnaient des problèmes de sommeil. Hector a évoqué sa mère récemment décédée et ne semble pas à ce jour avoir entrepris son travail de deuil. J'ai fortement recommandé la prise d'antidépresseurs, mais le patient s'est montré réticent à cette idée, persuadé que les médicaments auraient un effet néfaste sur ses facultés et donc sur son enquête en cours. Hector a minutieusement décrit son travail et, contrairement aux difficultés rencontrées au début de la séance, sa pensée s'est révélée logique et cohérente. Il affiche une obsession malsaine pour son travail, mais son deuil récent en constitue peut-être la cause sous-jacente. Ouais, j'ai regardé pour la caméra, c'est juste pour les collectibles. Ouais, voilà. J'avais trop peur. Non, mais je le bute quand même, ça coûte cher. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, je suis de barre sans avoir le truc. Le truc, ça, je crois que ça met la caméra des robots, du truc de série de robots, je crois. Genre si je mettais le numéro de série d'une tête de robot, ça mettait la caméra avec ses yeux. Bah allez. Je sais pas si c'était important, mais je l'ai pas fait. Je sais pas, bah écoute. Ah oh, bah là, c'est encore mieux, t'es solo aussi encore. Et dans le couloir. Hé hey, t'imagines pas que tu vas jouer avec moi comme si j'étais un putain de cobaye.
Ah bah c'est la porte. D'accord. Et maintenant ? Mon dieu. C'est quoi, c'est une pièce fermée ? Ouais, c'est la pièce où il y avait eu la... Ouais. La crise d'asthme. T'as dedans, t'auras encore un dilemme, je crois. T'as pas le même choix que moi, Billy, vas-y, rentre. Y'a plus le... Ah non, y'a chauffage à la place. Écoute, faut y aller, hein. Bah, laisse-moi choisir, si je peux choisir de pas y aller. Ah bah écoute, sinon tu retardes et on pourra pas continuer. Ton joueur, il n'a pas de choix de... tu vois. T'es obligé de... Il y a qu'un seul chemin. Ah, c'était écrit passer le mur, mec, j'aimerais bien foncer dedans. Bah après... Ah bah tu vois. Donc, tu, ah vas bah ça, regarder, c'est tu vas regarder les murs. Alors, c'est vrai que là, il y a un peu... Il y a un peu mieux, hein. Bon, ça va encore, c'est pas... Voilà. Bien, ça j'ai jamais fait. Moi je suis... C'est pour mon perso qui fait ça quoi, qui s'y connaît. Ouais, et voilà. Mon perso il s'y connaît en éclairage, en électricité et tout comme ça. Autant mieux, on a comme ça. Un BTS électronique, hein. Ah ouais, d'accord. L'ambiance est tout de suite plus chaleureuse. Ah bah que deux. Ah ouais, tu... Moi je parie que c'est fermé, hein. C'est toujours mieux de parcourir tout le couloir, hein. Un bon truc rouge, là. C'est bon signe. Là-bas ça va être bloqué. À toutes les portes, je crois. Qu'est-ce que c'est ? Ah mais c'est le miroir. Ouais, le miroir qui n'est plus là. Autant fouiller, ouais, le... Oh, magnifique. C'est moi qui les trouve, hein, pour l'instant. Après j'en ai pas sur mon chemin, ouais. Ça va. 5. Avec la carte ? Non, avec son tournevis. Non, la carte c'est un collectif, t'as pas... Ouais, mais elle aurait pu, je sais pas. Non, tu l'as pas du tout dans ton inventaire. Je sais, mais bon, elle aurait pu. Oh, salut. Oh, mon le dieu, dernier, le setup, quoi. Ah bah là, il y a des caméras. Bah oui. Dans les caméras, il y en a 3, c'est bon. Ouais, vu comment ils nous espionnent sans arrêt, il doit avoir je sais pas combien de caméras, le mec. Ouais. C'est pas compliqué d'en avoir une. Marc. Ah mais c'est Marc. C'est quand je suis passé. Ouais, moi j'ai entendu du bruit derrière toi. Sinon, je vais m'entendre. C'est fermé quand même. Ah là, il y a un autre miroir du coup. Il y en a qui marchent à côté ou quoi ? Pas pourquoi je peux regarder comme ça. Pas pour le plaisir. C'est dans sa peau.
Ah, c'est pas mal, on peut regarder baiser. Bah écoute, ouais. On y a pris des photos, hein. Ah, même des vidéos. Putain, il y a des caméras partout. Ah, c'est là où il avait parlé anglais d'un coup, là. Ouais, c'est vrai. Le mec s'est dit, mais c'est vraiment handicapé, ce mec. C'était filmé, quoi, donc... Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il parle anglais, il fait des poses bizarres. Ah ouais. C'est pour le prochain sur la table d'auto aussi. Hein. D'accord. Il fume sa cigarette. Ah mais c'est le mec... Ah tu pouvais inspecter, mais je sais pas si ça va vraiment faire quelque chose. C'est le mec des magnétophones là. Ouais. Eh ben en fait le méchant c'est le FBI, c'est le mec de FBI. Bah oui. Ah c'est une vie de Santin du coup. Ouais, il y a des clopes. Hein. Vous voulez savoir ce que c'est qu'être un tueur? Vous connaissez le musée d'art dans le centre? Ils ont un tableau de cet artiste, j'ai oublié son nom, un peintre célèbre. Il a fait des portraits de cadavres de vaches pendus à des crochets. Si vous mettez une personne normale dans un abattoir, soyez sûr qu'elle vomira son déjeuner. Mais si vous en faites un tableau, soudain, ça devient de l'art. Il n'y a pas de différence entre les deux. Pour ça qu'on avait vu quelqu'un. Épargnez-moi ce regard. C'est moi qui ai raison. Vous comprenez? Je sais que vous comprenez. On se doit de faire quelque chose qui ait de l'impact. Faire éprouver aux autres des émotions inédites. Faire voler en éclats l'illusion du contrôle dans leur tête. Pensez à ce que vous avez fait de plus profond. Pensez à ce que vous avez créé de plus beau. Et je vous l'assure, ce n'est rien comparé à ce que ça fait de voir la vie quitter quelqu'un. De lire la peur dans son regard. De le sentir qui tente de se dégager. De l'entendre pleurer. Supplier. L'instant précis où votre victime réalise que son heure est venue. C'est là qu'on le ressent. C'est ça, l'art pur. C'est pour cela qu'il faut être un artiste, un sculpteur, un architecte. Je la vois, cette lueur dans vos yeux, agent Monday. Je ne suis pas dupe. Regardez-vous. Fais-je devenir votre premier? Alors allez-y, hein? Je suis tout à vous. Cette pièce est insonorisée. Vous n'avez même pas besoin d'attendre le passage d'un avion. C'est comme ça que ça s'est perturbé et tué le truc. Quelqu'un qui a rendu fou d'autre, notre personne. Il va vraiment revenir là. Il y a une porte à côté, je crois, ouais. Ah. Bon sang, j'ai eu chaud.
À toi. Oh non. On sait qui c'est en tout cas. Est-ce que tu veux que j'essaie? Mais encore mieux. Avec le peu de lumière qu'elle fait en plus. Moi, les murs ne fonctionnent plus, j'ai l'impression. Bon, elle avait quoi déjà, j'ai oublié. Ah, son truc de maquillage. Tu restes près de gauche, moi. Mais... Là, c'est celle qui dit tu restes près de moi que c'est celle qui est partie en première. Hein. En même temps, c'est moi qui joue, hein. Je suis bien obligé d'avancer. Non, mais dans la cinématique où elle se barrait et on était tous ensemble. Ouais, mais écoute. Elle ose dire, tu restes près de moi, quoi. D'accord, il y a. Putain, il y avait un replay là, sur le. Ah, ça bloque. C'est pas un livre en plus. Ces bouquins servaient à rien. Pas moi, je lui dis que ça sert à rien. Et bah, tu vas passer du coup. Charlie l'a quitter. Balancé tout à l'heure. Ça oui, intelligent, pas. Charlie. Charlie. Bah ouais, quand il l'a balancé, il a dit c'est quoi ton bouquin de merde. Bah quand il a balancé le bouquin au tout début. Ouais, ouais. Il avait tout prévu, Charlie. Les. Encore. Eh ben. Ouais. Ça c'est Charlie, hein, il est revenu d'entre les morts. Pas que ce soit Jamie. Quelqu'un qui est enfermé. Charlie en mode tout brûlé. Un zombie. Oh, je vois sa coupe de cheveux là. Alors. Il y a bassin miroir, au moins il n'y a pas de pièce. Oh, c'est... Tu le fais lentement. Ouais, mais j'ai pas envie. Comme dans les gameplay trailers. Ah, voilà. C'est une bande annonce là. C'est le mec qui présente le jeu. Bien sûr. Hey, ah bah. Tiens, regarde ça. Quoi? C'est tiré de faits divers. Regarde l'auteur. Joseph Morello. Donc, c'était pas du mettre sur le ferry. Moi, je mets tout doucement, regarde. Tu mets, il est mort. Ah oui. Je crois que c'est celui qui l'a tué avec les cigarettes et tout. Ah, je pense, hein. Ah merde, je pouvais passer, c'est vrai. Je crois qu'il y a plusieurs pages, attends. À moins que du mettre, c'était le mec avec le manteau jaune, que bon, ouais, c'était vraiment un mec. C'est peut-être tout du jaune, hein. Voilà. Que je voulais faire depuis le début. Tourner une page. Nathalie dans tes bras, ok. Je peux plus passer? C'est vrai, vraiment rien? Là, je vais. D'accord. Je vais quitter, s'il vous plaît. C'est de là que ça vient. Un code. Dessin. Dis-moi quel code derrière. Bon. Arrête de pleurer, maman. C'est la petite fille qui est partie avec le mec noir. Oui. Elle s'est fait enregistrer, du coup, on utilisait. Sa voix, elle est utilisée pour les trucs. Ah, c'est assez spécial comme fantasme. Où est-ce que je suis obligé de cliquer sur... Concentré. Ah non, faut vraiment que je trouve le code avant. Trouve l'origine des blancs, trouver le code de la porte. Là, dessus, non, même pas. Connie. Connie. Ouais, Connie. J'imagine que c'était la fille qui mangeait dans les trucs là. Il lui donnait des croquettes.
Ouh. Bethany. Ouais, non, Bethany. Ça se trouvait dans le registre ? Le registre ? Pas de quel registre ? Ça, ça, là-bas, hein, j'ai vu, là, je crois. Hein. Oui. Ça, je l'ai pas pris. Oh, si, je l'ai pris, putain, je crois. Ah, mais c'était dedans, en fait. Alors. 1995. J'ai. Et là, je sais plus s'il y avait un truc avec des chiffres. Non. Ouais, je vois que ça. Quoi? Ah, écoute, je vois que ça, hein, une date. Une date. Ouais. Date de quoi? J'ai pas vraiment lu c'était de quoi la date, mais. Bah d'accord. Parce que je vois pas du tout le code. Hein. Si on retrouve un code, je ne vois pas. Que j'ai pas vu ce que t'avais regardé en fait. Bah bravo. Mais écoute, je ne sais pas où aller du coup. Ah non, c'est pas par là du coup. Bah écoute, peut-être en regardant, je sais pas, d'accord. Des cheveux. Eh oh. C'est un mannequin ça. Vous m'entendez? Ouais. Kate peut utiliser son crayon pour faire apparaître des messages écrits sur papier déchiré. D'accord, je ne savais pas. Ah voilà. Ah mais d'accord, mais faut vraiment voir à chaque fois le truc. Hein. 1999, bah j'étais presque. Hein. Mmh. Là, j'aurais mis ma date de naissance, j'aurais réussi à trouver le code, quoi. Maman aussi, du coup. J'aurais dû faire ça au final. Parfait. Pas derrière le matelas. Attends, mais je reprends juste ma lumière si vous. Hop. Ça faisant, on va m'attaquer d'un coup. Oh putain, ouais. J'ai rien que la gueule. Oh là 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 là. Non, putain! Elle parle plus. Ouais. Encore. Ah. Ah, l'incinérateur. Je vais vérifier. Du coup, il est ouvert. Ouais. Bah non, ça, il est en bonne santé au final. Bah putain. Je croyais qu'elle est vraiment ressemble à un zombie là. Ah, moi aussi. Je croyais qu'il allait avoir des brûlures ou quoi, mais.
peut-être pris 2-3 rides, c'est tout. Mais il n'y a qu'une porte. Il y a du rouge là-bas. Ah, c'est le chemin. Ça c'est quand il me matait dans un truc, non? What? Ça c'est un four, ça. Ouais, c'est pour mater quelqu'un, mais pas toi, je pense. Non, pas moi, non. Ça va peut-être me retrouver en plus. Hein. Oh, j'aime pas la musique. Hein. Je peux rien faire de ça. On veut y aller. D'accord. Ah, faut bouger, ah bah ça. D'accord, faut aller vraiment. Ouais. Carrément que tu bouges, ça roule. Bah, je le fous tout en fait. N'importe où, tu sais, pour passer. Ah, d'accord. Ouais. Ah, voilà, c'est bon. Il fallait monter pour faire un jump. Non, pas du tout. Faut passer dans le trou. Je savais pas que c'est à ce point-là cassé. Oh putain. Oh non. Putain, j'ai pas de lumière. Je suis comment dans tout ça là? Vers la lumière rouge. Ah ouais, non, d'accord. J'ai pas le perso là, il aime bien tirer des leviers. Ah ouais, mais là... Tu fais que ça avec le perso. Ah, ça vole. C'est vrai, n'importe quoi. C'est pas lui. Ah ouais, d'accord. Non, ouais, c'est un mannequin. C'est encore un robot, quoi. Du coup, on peut peut-être fouiller. Comme audition ? Ah, le mec, il essaie de... Ah non, pas du tout, il n'est pas pris de audition. Il essaie de faire des mannequins vivants, quoi. Il essaie de robotiser les... De rendre vivants les morts, quoi. Ah, oh, mais il y a un grain, de toute façon, depuis le début. Ah ouais. D'accord. Attention de ne pas y aller. D'accord. T'es risqué péril. On peut peut-être essayer. Hein. Choisir le bouton que je veux. Ouais. À droite. Non. C'est juste des paroles. Pitié. Laissez-les tranquilles. Y'a tué quelqu'un devant les yeux de mec. Hein. Peut-être tuer ses enfants. Ils n'ont fait de mal à personne. Dire une meuf. Laissez-les tranquilles. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voudrez ? Pas la même voix, c'est des voix différentes. Ah ouais. Je fais ce que vous voudrez. C'est dommage, j'ai pas une voix VO dans tout ça. Hein. Mais je crois qu'il faut que j'aille vraiment sur le tapis roulant. Hein. Bah oh, ouais. Putain. Sinon t'es bloqué, je pense. Je crois que la porte était ouverte, mais on va s'amuser. Bah, un autre truc à fouiller ou je sais pas. Bah, non, bah, je vais mourir. Mais non. Let's go. Une petite attraction. J'ai cru qu'il allait se prendre dans la gueule, hein. Bah, moi aussi, j'ai vraiment cru. Oh, c'est bon, très fou. Très vite, hein, ouais. Oh. Ça caché.
Ça fait peur en se cacher. À faire demi-tour avec le tapis, il va que dans un sens. Bah ouais, mais c'est. Mais en plus, c'est vrai, il voit à travers le. Oh. T'aurais fait demi-tour, il se sera amusé à jouer avec toi. Mais ça va. Attends que le contour du truc ne bouge pas. Ouais, mais il t'aurait vu dans le truc, je pense. Oui, hein. Oui, bah oui. Ah, ça, c'est les affaires. Ouais, pas de preuve. Hein. Pas sûr qu'on va m'en douter. Oh non, il est revenu? Ça, ça a pas bugué la dernière fois, j'ai eu un bug. J'ai tapé en même temps que toi, hein, mais là j'appuie pas. Il va revenir, hein, bouger là. Ah, il a oublié de mettre un papier. Chicago. Et il le garde? Ah ouais. Il aurait accéléré le truc, t'aurais tombé dans le brouillard. Bah ouais. Une caisse, ça. Il y a une échelle, mais il n'y a pas rien de plus au-dessus en fait. Bah, on sait pas, c'est la surprise. Ah. Ça, c'est. Jimmy. Ça fait bizarre. C'est moi, entrez vite. Jimmy? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ravi de te voir aussi, Kate. Ouais, c'est ça, ouais. Et saine et sauve. Écoute, j'ai trouvé de nouvelles infos. Quoi? Ce type sur le ferry, c'était pas Dumet. C'était Joseph Morello. Il écrit sur les crimes. J'ai trouvé un de ses livres. Comment il est lié à tout ça? J'en sais rien. Dans une des chambres, il y avait un cadavre. Une femme. On l'avait décapitée. C'était la femme de Joseph Morello. J'ai vu une photo d'elle. Elle s'appelait Michelle. On n'est pas ses premières victimes. T'as pas vu Marc? Pas directement. Mais je l'ai vu sur un moniteur. Elle a une tête bizarre, là. Non, ouais, c'est spécial. J'étais avec l'ombre. Mais j'ai aussi vu Dumet rôder dans le coin. Ah, c'est pas Dumet, c'est Monday. Ouais, mais bon. Encore il revient là, putain. Ouais. Et il va tout droit. Ah, en plus, en plus juste en bas, c'est le. Il va plus se retrouver. Il lâche des feintes comme ça. Ouais, ils ont le temps de regarder derrière eux au moins 10 fois là. Ah oui, oui. Putain. C'est quoi tous ces trucs? Ah, c'est bon, enfin, une survie, là. Surveillance, des magnétos, une table de mixage pour des tas de micros. Il a des yeux partout, pire que ça. Il y a plusieurs circuits qui passent ici, hydrauliques, électriques, tout ce qu'on veut. C'est là qu'il y a toutes les commandes. Pour tout le bâtiment. C'est là qu'il contrôle tout. On pourrait s'en servir pour trouver une sortie. Chercher s'il n'y a pas une commande pour libérer les issues. Tout est connecté. C'est comme ça qu'il se déplace. Allez. Ouais, c'est mon miroir pour le fun. Ah bon. C'est énorme. Regardez ça. Il y a peut-être Charlie qui va tester. Ouais.
Ah mais du coup... Le type qu'on a vu se faire tuer. On va faire coucou la caméra. C'était bidonné. Ouais mais du coup l'autre Erin elle va croire que Charlie... Pourquoi il ferait ça? Pour nous faire peur. Nous mettre dans l'ambiance de ces petits jeux. Génial. Ah non, moi ça va. Un petit coucou la caméra. Mais bon. Charlie, ça aurait été marrant avec Erin là. En effet. Regardez, il le teste. Regardez, il sait ce qu'il fait. Alors, c'est un complot. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un être humain fasse ce genre de choses. Police. Monday. Police de Chicago. Monsieur Mendez, c'est la police de Chicago. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Monsieur Mendez, je suis l'agent Stanley de la police de Chicago. Est-ce que vous m'entendez? Agent Mendez? Merde! Centrale, ici l'agent Stanley. J'ai besoin d'aide. 8 Ouest 50e rue. Il me faut des renforts immédiats. Je suis dans l'appartement de l'agent Mendez. Il y a du sang partout. Et un corps. J'ai besoin de renforts tout de suite, je crois. Il a eu le temps d'appeler les renforts quand même. Bah ça, je pense qu'il a eu le temps de fuir et tout. Je pense un temps qu'ils arrivent. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est une erreur de se contenter de dire qu'il est fou. Il contrôle totalement chacun de ses actes. Bah son état d'esprit n'est pas ça en tout cas. Ah je crois qu'il est... Il y a rien de ça chez lui. Hein. Il est fait à l'envers. Mais son esprit ne fonctionne pas comme le nôtre. C'est quoi la différence? Regardez ce qu'il a conçu. Il est hyper... Par ici! Ah, on peut la fin. Regarde ça. Les mécanismes, les parois mobiles et tout le bordel. Rien n'est réel dans ce trouara. Il contrôle tout depuis cette salle. C'est une usine à tuer. Exactement. Oh, de l'Arduino. On devrait s'en servir contre lui. Ouais. D'accord. Alors, c'est pas bien. C'est quoi ton plan? Ok, bon. Il est là-dedans, d'accord? Alors, si on arrive à l'attirer dans ce couloir, on le piège entre ces deux parois mobiles. Non, carrément. Il aura aucun moyen de sortir. Il sera coincé. Donc, on fait comment pour l'attirer par là? Il faudra que l'une d'entre nous serve d'appart. Non, pas question. C'est beaucoup trop risqué, Jamie. Le laisser courir aussi. Ce serait même encore plus dangereux. Allez. Ça roule pour toi, ça. Non. Non, pas question. Tu veux le buter? Si ça tombe mal, elle est asthmatique. Une de nous va mourir. Non, non. Ouais, j'ai pas super envie de le faire. Mais je supporte plus d'avoir peur même de mon ombre. On n'aura pas droit à une deuxième chance. Qu'est-ce qui va y aller? On peut charmer, hein. C'est mon plan. Je serai là-bas. Jamie, non. On trouvera autre chose. Te force pas à faire ça. Quelqu'un doit y aller. Si t'es sûr. Bon. Si tu vois que ça tourne mal, tu te casses et vite. Je me ferai pas prier. Non, je sais pas. Prends-le. Ah, c'est moi. Ouais. Ça pourra te faire une arme en cas de besoin. Je préfère le garder. Et à m'embrouiller. J'en aurai sûrement besoin. Reviens vite. J'en ai bien l'intention. Attends, je vais le garder. Hein. Attends, on aurait besoin pour quoi? Je sais pas. Ok. Je crois que ça suffira. Allons-y. Tu t'en tiens au plan? Évidemment. Comment est-ce qu'on sort? Le troisième étage doit être encore en travaux. Tiens-toi prête. Faut un timing parfait pour que ce soit lui qui soit piégé. Sois prudente, d'accord? T'en fais pas. Tu seras prudente? Si je vois Dumet, il va le regretter. Arrête. J'ai pas envie de plaisanter. Dis-moi que tu seras prudente. Jure-moi qu'on se reverra. Promis, Erin. On se reverra. Cool, parce que j'ai bien l'impression que je t'aime. Ou, j'en suis pas loin. Je veux dire... Maintenant, j'ai une raison de revenir. C'est bon, on passe qu'il est en plein milieu, hein. Du coup, le truc du téléphone, là, c'est oublié. Je tente le coup. C'est passé.
Et là, je suis Marc. Bon, bah, autant courir, hein, vu que. Je longe le couloir, je reste à droite. C'était sur la carte ? Eh ben, je sais pas pourquoi je le sens. Genre... Ouais, genre la carte elle est pas précisément bonne. En plus, ouais. C'était sur la carte ? Ah bah, on retourne en arrière, hein, c'était pas sûr. Ah, j'étais prêt à l'assassiner, le mec. Hein. Avec le tournevis. D'autres chambres en travaux. Il marche vite, hein. Ouais, il y a un boost. Hein. J'ai cru voir un truc briller, mais... Ah là, le... Ouais, de l'autre côté, quoi. Non, le côté. Ah ouais. D'accord, on l'a pas encore revu, mais... Ouais, bah faudrait pas que je rentre dans une pièce à la con. J'aime bien si tu le suis à la trace. Ah c'est moi qui le chasse là du coup. Bah ouais, c'est ce qui est beau. Y a un truc? Non. Ah, ça lumière les couleurs de la torche. Oui. Mendley. Ah, il a enlevé les mannequins. Oh. J'ai eu un gros lag en plus. Ah, ça arrive. Hein. Je pourrais pas t'aider. Bah, je fais le QTE quoi. Ouais. Ah, tu peux appuyer sur les QTE, mais bon. Bah, je crois que ça va foirer, je crois. Je suis censé faire la pause, j'ai pas bluffé. Je vais tuer avec ton avis. Oh la conne. Ah oui. Referme. Putain, mais referme. Non, non, attends. Et là, tu le vois avec une télécommande. Je contrôle aussi avec une télécommande. C'est vraiment beau. En fait, ils sont deux. C'est, il fait très noir en bas. Combien qu'il y avait une télécommande dans tout bizarre. Je sais pas. Une télécommande de TP. Oh non, les revenus. Jamie. Oh non. Bah, j'ai le tournevis de toute façon. Oh merde! Ah bah là, on va pas mourir à trois, hein, c'est mort. Hein. Ah, il va libérer l'autre! Hein? J'ai pas compris. Ah, il vient de me dire la cible, je crois. Oh mon dieu! Ah non, Ah non, j'ai pas compris. Ah, c'est un couloir! Bah non, mais il veut nous emmener à quelque part, hein, bah, c'est sûr. Bah, je sais pas, on va être confiné, je pense, hein. Pas sûr, mais. Oh bah, la somatique.
Ah, c'est vrai que... Oui, là, ça va aller, hein. Ah, mais bah, c'est bon. Ah, putain, genre, tu te... t'aurais dû prendre le tournevis. Oh non, non, on va pas dans une pièce. Bah, ah, la salle. C'est la chambre à gaz, ça, non? Bah, toi aussi pas. Oh non, 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 non. Jimmy, stop! Ah! Pour ton levier, y a pas servi du coup, donc. Qu'est-ce que c'est? Un bouton avec un symbole inverse. Blague. À quoi il sert? Oh ah. D'accord. Non. Oh non non non. Non. Ah. Moi ça c'est une. Ça rien cache. Hein. Bouge, bouge. Monsieur le compte plus. Partir. Donc, vers aller, moi, quoi. C'est ça? Ouais. Ce truc va me tuer si j'appuie pas. Non, 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 attends. Je sais. Si j'appuie dessus, c'est toi qui meurs. Oh, l'enfoiré de Dumette. C'est exactement ce qu'il veut. Il te force à choisir qui de nous deux va mourir. Désolée. Oh, je suis désolée. Je refuse de jouer à ce jeu-là, je peux pas. Je te tuerai pas. Ça a donné. Oh, tu peux même pas essayer de tuer, mais je pense que ça va me tuer. Essaye, mais... Jimmy ? Je refuse. Je refuse de jouer à ce jeu-là. Veille sur Erin, pour moi, d'accord ? Attends, on va croire qu'elle va mourir, mais elle va pas mourir. Hein. C'est promis. Comme le, oh comme le merde. Vieux. Merde, oh putain. Je sais pas. Jimmy. Merci. Merci. Sauve ta peau, ok. Quelle terrible façon de mourir. Jimmy n'a pas pressé sur le bouton. Elle a choisi d'épargner Kate au prix de sa propre vie. Admirable. Parfois, les gens vous surprennent. Charlie a réalisé un vrai tour de force. Il a survécu à la fournaise et surmonté tous les obstacles. Qui l'aurait deviné? L'indice que je vous ai donné a-t-il aidé? Non. Ou voulez-vous un autre? Moi, toi, t'aurais dit ouais, je pense. Toujours, hein, ça coûte rien. Avez-vous lu La Vallée de la Peur? Le dernier est l'un des meilleurs Sherlock Holmes. Voyons. La tentation de bâtir des théories prématurées sur des données insuffisantes est le fléau de notre profession. Ok. Bon. Vous devriez y retourner. J'espère que ces discussions sont utiles. Je ne veux surtout pas vous intimider. J'observerai vos progrès, comme toujours. Et la boutique. Cela, très attentivement. Il n'a rien à vendre, ce connard. Oh putain.